Eh bien, bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous retrouver. Bah oui, parce que je vais céder mon siège une fois de plus à Ebi Brouzac ici, qui nous a fait ça très bien la semaine dernière. Mais voilà, nous revoilà. Même pour cette tribune parallèle, vous le savez, pour commenter, disséquer tout ce qui se passe sur le plateau de Benjamin de Seninck. Ah, ben la vraie émission a commencé là. Pas nous, mais la vraie émission, celle de Benja, a commencé avec, comme d'habitude, et vous le savez, la première chose qui vient toujours, c'est la séance de rattrapage de Quentin Wolvert. On va se la faire d'ici quelques petites secondes. En attendant, on va saluer tout le monde. Salut Mario, salut Ludo, salut Frédéric, salut Steve, salut François, salut Patrick, salut Lucas et salut à tous les autres qui ne m'ont pas encore dit salut, mais que je salue quand même. On est parti pour commenter ce qui se passe sur le plateau en bas. On va aussi parler de pas mal de choses, notamment des Diables Rouges, puisque vous le savez, il va y avoir la sélection de Domenico Tedesco qui va tomber jeudi. Des surprises, pas des surprises, bon, on en parlera entre nous. Alors c'est vrai que pour le titre du live, j'avais opté pour un titre un petit peu provocateur, mais à vous de me dire s'il est dans le bon ou pas. Est-ce que c'est un sauvetage par la petite porte pour le Standard de Liège, qui est donc désormais sauvé? C'est une certitude, et je suis sûr que Quentin Wolvert va en parler dans son récap ici. On est parti, on écoute. Il faudra absolument arracher un résultat identique au Cercle et à Gand. Westerlo s'est consolé ce week-end avec le but de la semaine, une flèche décochée par Boss. Ça, c'est du prodige. Les Campinois ne sont pas encore assurés d'éviter les plaidins. Avant de conclure la phase classique, l'Union concède un partage à la maison contre Gand. Rien de très grave pour le leader qui sera sans doute content de priver aussi les Buffalo de 2 points dans leur quête des playoffs pour le titre. C'est l'ex-gantois Castro Montes qui a égalisé sans émotion. Pas grand chose à retenir à Charleroi-Cercle. Les Carolos ont loupé une occasion de se sauver définitivement. Les Brugeois, eux, ont loupé l'opportunité de garder la main dans la chasse aux Champions Playoff. Les gardiens sont contents, pas les coachs. L'Inter passe souffert du stress chez la Lanterne Rouge. Les fans courtraisiens profitent des dernières rencontres de phase classique pour venir se prélasser au stade des Éperons d'Or. Une sortie en famille ou entre amis qui vaut le détour. Vous vous moquez. Sinon, sur la pelouse, les champions en titre ont marqué via Ileni Kena. À Courtrai, Fossum n'avait lui visiblement pas choisi les bons pneus. Il fait exprès ou quoi? On a aussi notre geste pro league dans cette rencontre. Rien ne sert de forcer ses centres, ça les rend misérables. C'est signé Victor Houdeau. Genk a gagné 1-0 contre le... Lancelot, c'est Manoé, tu m'entends? Les Bourgeois ont aussi perdu son... Ok, merci. Le jeune espoir belge s'est fait les croisés de l'autre genou 2 ans plus tard. La poisse en plein pour un joueur qui revenait doucement à son niveau. Renaud Aymon a offert 3 points à Eupen hier. 3 points qui compteront peut-être des comptes des playdowns, sait-on jamais. Dans cette partie, Slonina avait oublié comment tenir un ballon. J'ai glissé, chef. À Saint-Tron, on a vu des petits ponts, mais pas de but, ça s'est joué à peu de choses. Bruges a souffert contre Louvain. Les supporters ont d'ailleurs copieusement sifflé leur équipe à la mi-temps. Heureusement pour Deyla et sa troupe, le gardien de Louvain, Tobeleisen, était dans un jour sans. Il a offert 2 réalisations aux Brugeois et a aussi encaissé un splendide coup franc de Van Aken. Les Louvanistes gardent un maigre espoir d'éviter les play-downs, mais sans leur sort entre les mains. Enfin, encore une fois, dans notre championnat, les clubs essayent de soigner le spectacle avant le match, à défaut de pendant. C'est un choix. Visiblement, les supporters n'en avaient rien à cirer entre ceux qui redécorent la tribune visiteur, ceux qui soignent leurs réseaux sociaux, ou ceux qui, comment dire... Pas les couilles. Anderlecht a remporté ce derby trop facile. Molenbeek a la taille Challenger Pro League depuis quelques mois. Dans ce match, on a aussi vu un arbitre donner un pénalty que Jan Vertonghen a lui-même totalement nié. À force d'essayer de tricher, les joueurs ont vraiment perdu tout crédit auprès des hommes en noir. Cela dit, c'est bien beau de dire non. Les Mauves auraient aussi pu ne pas marquer ce pénalty. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Enfin, vive le foot et à la semaine prochaine. On reviendra évidemment en détail sur ces événements-là du derby. Dans un instant, on démarrera avec la prochaine sélection Domenico Tedesco. Mais d'abord, on dit bonjour. C'est la tradition. Cécile Legernier. Bonsoir. Ça va? Philippe Albert. Bonsoir. Il y a tout Bouillon qui est descendu non. À Bruxelles ou quoi? Des amis. Ah, je vois un maillot de Newcastle derrière vous. Hein. C'est vrai? Le vôtre? Non. Non, il est trop moderne pour ça. Swan Borsellino.
Antoine. Et Nordine Jbari. Tout va bien ? Tout va bien. À une journée de la fin de cette phase classique aussi, il y a Lancelot Meloueter devant les écrans des réseaux sociaux, entre autres de l'RTBF, pour suivre parallèlement cette émission, la commenter et récolter toutes les questions qui vont être intéressantes, notamment sur cette sélection. Salut Lancelot. Salut tout le monde. Et effectivement, on va essayer de se creuser la tête et de proposer peut-être des noms à Domenico Tedesco. Alors si vous avez des idées pour parler de tout ça, vous nous rejoignez sur Facebook ou sur YouTube, RTBF Sport. À chaque fois, c'est la même chose. Vous participez au débat avec nous. Bah, on va parler des Diables, bien sûr, mais aussi du Standard. Nous, ce live, on l'a appelé le Standard. S'est-il sauvé par la toute petite porte? Et on a déjà pas mal de réactions. Donc si vous voulez participer à ce débat-là et à tous les autres avec nous, ben, rejoignez-nous. Voilà, RTBS Sport, Facebook ou YouTube. Merci Lancelot, tout de suite, évidemment. Il y aura une bagarre aussi concernant la sélection de Domenico Tedesco. Si Manu vient sur le plateau. Ouais, c'est vrai, Manu contre Nordine dans un instant. Et la bagarre est lancée, j'ai l'impression. Le vote du Soulier d'Or, de Cécile, de Philippe, de Swan et de Nordine. Il y a du Torgan, il y a du El Khanous, il y a du Léoni quand même aussi, du Castro Montes, Mrapti pour la performance incroyable de Maline. Et il y a même un petit point pour Raymond, pour Philippe. Bonsouba, Swan, l'ailier de Genk qui vous a bien plu. C'est Cécile qui lui a mis les points. C'est Cécile, ah pardon, ouais. J'ai enlevé mes lunettes au mauvais moment. Cécile, pourquoi? Bah parce que j'ai trouvé déroutant, je trouve qu'il est en progrès, en tout cas hier il a été bon, alors il doit encore travailler un petit peu quand même la finition, on va pas se mentir, mais je trouve qu'il a été virevoltant là sur cette aile, il a mis le flanc en difficulté, et d'où les changements aussi opérés par l'écho, donc voilà. Un petit standard, on y reviendra comme l'a dit Lancelot, le classement général de ce soulier d'or, je pense qu'il n'y a pas de changement sur le podium, mais Torgan est quatrième, il a pris des points encore contrairement à ce trio-là, et donc il se rapproche vraiment à deux points du podium Torgan Hazard, et il reste 11 journées de championnat avant la décision ultime pour ce soulier d'or. Pour les gardiens maintenant, voici les décisions, plus 1, moins 1, le moins 1. Ah bah oui, le pauvre, forcément, moins 4 pour Tobeleisen, le gardien d'OHL. Il y a du Coffey, du Warleson et du Morris. C'était dans le même match, Coffey et Morris. Et Warleson, pardon. Pourquoi Coffey, Nordine? Parce qu'on le voit à la fin, l'arrêt qu'il fait, ça peut tout changer pour Charleroi. Donc c'est un arrêt hyper important, c'est peut-être l'arrêt qui va lui leur apporter quelque chose. Ouais, et à l'inverse aussi pour Warleson. On reviendra sur ces images-là dans un instant. En attendant, Tobeleisen, on va remontrer ce match, on les a déjà vus dans le sujet de Quentin, mais les trois buts en fait pour Tobeleisen, qui a mal démarré son match sur plusieurs interventions, et donc peut-être que ça a conditionné la suite de son match, Nordine. Oui, c'est dommage parce que c'est un super gardien, mais la jeunesse aussi peut-être, et puis comme vous l'avez dit, quelques prises de balles un peu difficiles. Et une fois qu'il a eu cette erreur, après il n'était plus du tout dans le match. Alors ce ballon n'était pas cadré, on a l'impression qu'il le prend un peu trop facile, Philippe. Il se dit ça va, je vais la capter facile. Alors que ce sont des ballons piégeux. Dans la forme qu'il est depuis plusieurs mois, c'est un ballon facile à négocier, le concernant dans son esprit, et c'est la pire des choses. Et comme celui-ci, c'est exactement la même chose. Mais bon voilà, c'est comme Nordine l'a dit, il est très jeune, il a énormément de qualité. Il a été scruté par l'Inter de Milan il y a quelques semaines. Il fait partie des meilleurs gardiens, franchement, de notre championnat. Qu'il jouait contre l'Inter de Milan. Donc voilà, ça fait mal, mais il va rebondir. On a vu le coup franc dans le sujet de Quentin. Est-ce qu'il c'est un super coup franc ou c'est quand même pour mieux faire? Il doit le sortir. Ouais. Il est facile dessus. Ouais. En attendant, on va voir le résultat de vos votes pour les coachs. Là aussi, même principe, plus 1, moins 1. Asie, hein, 3 fois 1. La série de Maline est exceptionnelle, on l'a dit. Moins 1 pour l'écho et moins 3 pour Irles. Deyla, quand même, Cécile. Alors qu'on se dit, tiens, sans le match de Leysen, est-ce que Deyla prend un point chez vous? Ouais, mais en vrai, c'est vraiment un petit clin d'œil, quoi. C'est un petit encouragement. Alors, je sais que ces milieux défensifs n'étaient pas disponibles, mais on a enfin vu des changements autres que pour fermer le score. Il n'avait pas beaucoup le choix, hein. Il n'y avait pas beaucoup de défenseurs sur son banc, mais donc c'est un petit plus d'encouragement, quoi. Oui, parce que Bruges, c'était pas brillant. On a entendu les coups de sifflet à la mi-temps, Swan. On voit vraiment que c'est une équipe un peu malade. Il manque de confiance. On connaît l'exigence du public brugeois. Je pense qu'ils ont quand même bien gardé en travers de la gorge ce qui s'est passé jeudi
en Ligue Europa, parce que c'est une équipe qui aujourd'hui a assez d'expérience sur l'échelon européen pour savoir que, un, à l'extérieur, en ayant eu dur pendant tout un match, c'était pas un mauvais résultat. Surtout avec un coach qui a pris l'habitude ces derniers temps de faire des changements défensifs, prendre un but en phase de contre-attaque à l'extérieur sur un match aller de Ligue Europa, c'est très difficile et incompréhensible pour moi. Il était au bord des larmes, oui, non, mais là, jeudi. Oui, même Maxime De Kuyper, qui était en interview aussi, était très touché. Et là, cette première mi-temps contre Louvain, ça siffle pour plusieurs raisons, mais je pense que ça siffle surtout parce que vous recevez quelqu'un qui, une équipe qui lutte pour son maintien, et vous êtes à Bruges, vous êtes battu dans les duels, vous êtes dominé, et je pense qu'ils n'ont pas envie de voir ça. Et on sent vraiment l'équipe par rapport à la pression que l'entraîneur a depuis quelques semaines avec la direction. On le sent vraiment, vous venez de dire, il était au bord des larmes. Ben, l'entraîneur donne l'énergie positive ou négative à l'équipe. Et quand on voit la première mi-temps ici chez eux à la maison, c'est généralement vu Bruges jouer comme ça. Leysen en prend pour son grade, mais offensivement, les joueurs qui ont raté des occasions franches, ça on passe sous silence. Ouais, c'est vrai, en début de match. En début de deuxième mi-temps. Très bon match d'OHL, franchement. Qui jouera sa peau contre Malines ce week-end, donc ça va concerner la qualification pour les Champions Playoffs et la qualification ou pas pour les Playoffs 2 ou les Play-Down. On revient sur cette journée de championnat, la 29e de la phase classique dans quelques minutes, mais avant ça, on va attaquer par la sélection de Domenico Tedesco. Je le disais, on en parlait, elle tombera jeudi, c'est un horaire un peu particulier, à 10h, avec quand même beaucoup d'incertitudes dans cette sélection. La dernière fois, je suis allé revoir 26 sélectionnés dans la liste de Domenico Tedesco. Ici, on sait que Kevin De Bruyne va revenir par rapport à la dernière fois, donc ça fait un joueur qui revient. Par contre, regardez ce petit tableau qu'on a préparé avec quand même pas mal d'incertitudes. 9 joueurs, si vous comptez, pour diverses raisons. Luque Bacchio, il n'a plus joué, il est blessé depuis le 16 décembre. Alors, il est revenu à l'entraînement, mais il n'a toujours pas joué une minute avec Séville. Théat est sorti blessé ce week-end, à 20 minutes, une demi-heure de la fin. Donc, on attend des nouvelles plus précises, mais ça peut être un forfait quand même de dernière minute. Aldakil n'a plus joué depuis le 31 janvier, il n'est plus dans le groupe du tout, même avec Burnley. Carrasco, absent de la sélection lors des deux derniers matchs en Arabie Saoudite. On le perd un peu de vue, mais là même complètement, parce qu'il n'est plus du tout dans l'équipe depuis deux matchs. Deman au Werder Bremen, il est remplaçant depuis trois matchs. Mangala était forfait lui aussi de dernière minute ce week-end. Je pense qu'il était plutôt malade, donc ça devrait le faire pour lui. Van Eusden, malheureusement blessé encore à l'Union, il sera forfait. Vermeeren, 83 minutes seulement avec l'Atlético, dont 19 ce week-end depuis qu'il est parti en Espagne, donc en 10 matchs possibles, 83 minutes seulement. Et Aster Vranks sur le banc depuis 5 matchs avec Wolfsburg. C'est beaucoup, hein, Philippe, quand même, pour une seule sélection. Oui, c'est beaucoup, c'est vrai. Mais bon, deux matchs amicaux, encore très loin du championnat d'Europe. Et sur ces noms-là, c'est très intéressant. Mais combien de titulaires? C'est ça. À part entière, un seul théâtre. Donc, c'est pas trop grave. Luque Bacchio, qui postule quand même, il est sur le banc avec Séville. Donc, il revient dans le groupe. Mangala, quand même plutôt titulaire les dernières fois aussi. Carrasco, quand même aussi, plutôt titulaire. Donc, ça... C'est vrai qu'il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir. En plus, on est loin de l'euro, mais quand même, on risque d'avoir des nouveaux noms, en tout cas des noms qui vont peut-être revenir aussi dans cette sélection. Je crois que ça va être intéressant. C'est peut-être l'occasion aussi de tester une dernière fois certains joueurs à certaines positions. On va sans doute en parler aussi, mais il y a quand même des retours qu'on attend ou des joueurs qu'on a envie de voir. Donc, c'est peut-être une bonne occasion. Après, c'est quelqu'un comme Vermeeren, c'était quand même sans doute dans son plan de carrière. C'était pas, on savait qu'il n'allait pas jouer. À voir si Tedesco a quand même envie de le maintenir et de la porter. Il y a beaucoup de concurrence dans cette zone-là du terrain. Après, dans sa tête, il a déjà 90% de son groupe. Donc, des joueurs comme Vermeeren, comme on l'a dit ici, il ne jouait pas. C'est une philosophie. Est-ce qu'on croit vraiment en lui ou pas? S'il croit en lui, il doit le prendre, même s'il ne joue pas beaucoup à l'Atlético. Attention, je disais 26 joueurs lors de la liste en novembre. Il n'y aura que 23 noms pour l'Euro. On continue d'en parler avec vous. Mais pourquoi jeudi à 10h? Parce qu'à mon avis, le musée RG était disponible à cette heure-là et pas le vendredi. Jusqu'à midi. Non, mais c'est vrai. Et parce qu'on va présenter le nouveau maillot. Bon, ça a fouetté, ça devrait ressembler très très fort à ça. C'est Tintin, en fait. Donc, c'est vraiment la tenue de Tintin. C'est pour ça que ce sera au musée RG jeudi. On n'a pas mis de photo de Tintin, mais vous avez tous en tête. Sinon, on risque un procès si on utilise les droits d'image de Tintin sans la permission. Vous savez que c'est très sévère. Donc, mais tout le monde a lu Tintin. Sinon, allez vite taper sur Internet. Philippe? Concernant le maillot? La tenue. C'est le deuxième maillot, évidemment. Il y aura un rouge, un peu grenat, normalement, qui va sortir. Concernant ce maillot, j'ai franchement rien à dire. Je l'ai dit, bordel!
Oh, moi, je fais confiance à la caution style du plateau. Hein. Ouais. Bader, c'est vrai, regardez, il y a toujours pire. Mais non, mais pourquoi? Il faut toujours un deuxième maillot, vous l'aimez pas. Philippe, on a compris. Mais ces derniers temps, je trouve que les maillots... pas terrible quand même ces derniers temps. Alors ça paraît futile, mais on sait que ça passionne les gens, hein, les maillots de l'équipe nationale. Et moi je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes nationales, pas que la Belgique, il y a beaucoup maintenant de maillots qui sont faits sans qu'on voit vraiment la couleur du pays parfois. Mmh. Et ça je trouve ça bizarre, comme le maillot qu'on a à un moment donné, on a aussi un autre maillot, on dirait l'équipe de France, donc je trouve ça bizarre. Bah, pour un défilé ça peut faire mal, mais pas pour jouer au foot. Je vous demandais votre avis, Cécile. Ah, moi j'aime bien. Hmm, j'aime bien. J'aime bien. Et c'est Tintin. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas les couleurs du maillot, du drapeau, mais c'est quand même un symbole du pays. Bon, ben voilà, de toute façon, il y aura tous les habits, oui. La vie ne fait pas le moine, je ne sais plus, on s'y perd. Bagarre, c'est beaucoup plus important. Déjà ? Ouais. Déjà ? Et puis on parle de la sélection après. Ben oui, Manu Jouf, on vous rejoint. Ça va, Manu ? Ça va très bien, oui. Je suis très impatient pour... Il a osé venir. Cette bagarre, Nordine se défile depuis des mois. Je ne sais trop pourquoi. Enfin, si, j'ai une vague idée. Non, on voulait démarrer avec la bagarre. Et puis, comme ça, tout le monde aura l'occasion de donner son avis sur les joueurs qu'il aimerait voir dans la sélection. Mais on ne voulait pas tuer le suspense de cette bagarre. La question est simple. Quel ouais. joueur qui n'a jamais été sélectionné chez les Diables Rouges par n'importe quel sélectionneur auriez-vous envie de voir dans la liste de Domenico Tedesco jeudi? Qui démarre? Je pense que c'est Manu. Ok, démarrons alors. Eh bien, le joueur dont je vais vous parler a 26 ans, bientôt 27. Il est d'origine espagnole et est né à Saint-Tron. Il joue actuellement à l'Union Saint-Gilloise. Vous l'avez deviné, c'est Alessio Castromontes, qui évolue, je trouve, à un très haut niveau depuis pas mal de semaines avec l'Union. Là, on revoit le but assez extraordinaire qu'il a inscrit il y a 3 semaines à Courtrai. C'est l'un de ses 3 buts de la saison. Il en a mis 20 au total dans sa carrière professionnelle. Très bon, très calme, très humble aussi. Sur le terrain et en dehors, c'est un joueur qui se fond vraiment bien dans le collectif et alors qui a vraiment le gros atout de la polyvalence. En fait, il est un petit peu comme Timothy Castagne. Au départ, c'est un flanc droit. L'Union l'a transféré pour 2 millions d'euros de Gand, où il ne jouait quasiment plus, pour remplacer Neil Cope. Mais il peut tout aussi bien évoluer flanc gauche. Il peut évoluer défenseur droit. J'ai même vu dans mes recherches qu'il avait joué 3 matchs comme deuxième attaquant à la Gantoise. En fait, à part le poste de gardien, il a déjà occupé tous les postes possibles pour un joueur de champ, arrière latéral, milieu def, offensif, il a tout fait. Donc sa polyvalence, son humilité, la forme du moment. Par contre, évidemment, il va avoir la concurrence peut-être d'un Thomas Meunier qui maintenant rejoue régulièrement à Trabzonspor, donc qui pourrait revenir dans le groupe. Donc on peut se dire, ah oui, du coup ça va être difficile pour lui. Mais vous avez évoqué Demann, je pense que lui il ne joue presque plus au Werder Bremen, ça peut libérer une place. Puis de toute façon, si Tedesco veut en reprendre 27 cette fois-ci, il fait comme il veut. Mais je trouve, s'il veut rendre hommage aussi à l'Union, au collectif de l'Union, comme il avait repris Naguère, Van Zer et Van der Heyden, même si ce n'était pas lui à l'époque, il y a la possibilité avec Castromontes. Naguère, il a utilisé ouais. le mot Naguère. Oui. Et rien que pour ça, ça vaut la peine. Contraction de Naguère. Sur Typique, la chaîne des jeunes, je le rappelle. il faut éduquer les foules. Merci. Nordine, réponse, réplique. Réplique tout simple. Moi, je suis un ancien attaquant, donc j'ai pris un attaquant, Hugo Cuypers, qui avait mérité il y a quelques temps, je trouve, d'être dans cette équipe nationale. Effectivement, il est parti aux États-Unis, mais un attaquant qui marque facilement, un attaquant qui est malin, un attaquant qui bouge bien, qui fait des bons appels, qui n'a jamais été repris, alors que souvent ici dans le championnat belge, c'était un des meilleurs, et qui, comme je viens de dire, qui est intelligent, qui peut faire la différence, qui peut marquer, qui a une énergie incroyable, qui n'arrête pas de courir partout, qui est capable d'être sur le banc sans rien dire. Ça, c'est aussi important dans un groupe pour le championnat d'Europe. C'est vrai qu'il y a des bons attaquants. On a Lukaku, mais on ne demande pas, évidemment, à Tedesco de le mettre titulaire. Mais on lui demande quand même aussi de vous regarder le championnat belge, même s'il vient de partir aux États-Unis. Quand on joue bien, quand on est très fort dans le championnat belge, je trouve qu'on mérite aussi de temps en temps d'avoir une petite chance ou une récompense pour être en équipe nationale. Donc voilà, Castromontes, d'accord. Un attaquant, ça marque énormément. Petit tacle oui. au passage. Merci, bravo pour la démonstration, bravo pour les idées, merci pour ça. Les gars, faut voter maintenant, le public.
La partie blanche de l'affiche pour Manu et donc pour Castromontès, la partie noire de l'affiche pour Nordine et donc pour Hugo Kuipers. Le public, il faut jouer. Hop, je vois du blanc, du noir. Hop, 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 hop. C'est fort partagé. Tout ça. C'est pas vrai. Non, il faut compter. C'est triche. C'est noir. Merci. C'est noir. 1-0 pour Nordine. Donc pour Hugo Kuipers. À une époque, j'aurais dit Kuipers, mais là, je dirais Castromontès. 1-1. Vous ne voulez pas demander à Swan d'abord? Philippe. Castromontès. 2-1. Alors, je dois dire Kuipers, même s'il ne prendra jamais 4 attaquants. Non, mais c'est ce que vous avez dans le cœur, finalement. Voilà, c'est partout. Un bon 2-2. Un bon 2-2. Mais le public a tranché. Il faut, à ce moment-là, le président. On est dans une démocratie. Vous voulez que je tranche? Le président a tranché. Vous voulez que je tranche? On travaille ensemble dimanche. Kuipers, c'était dans les sélections d'avant. C'est vrai qu'il y a tellement d'attaquants. Et déjà, on se demande s'il va prendre Michel Batshuayi que Castromontès. Ça vaut peut-être la peine de le prendre sur un flanc droit où il y a moins de concurrence. Allez, désolé, Nordine. Enfin, on n'est pas en France ici, c'est pas le président qui commande quand même. Et je comprends maintenant pourquoi tu craignais cette bagarre. Fin de la bagarre. Merci beaucoup. Mais non, mais on peut continuer à parler de cette sélection. Meunier, par exemple, ou Castromontès, bonne question. Il a remis en doute son propre choix, Manu, dans sa bagarre, donc beaucoup d'honnêteté aussi. À choisir un des deux. Parce qu'à un moment donné, il va quand même devoir prendre un backup pour Team Castagne, ce qui n'était pas le cas dans les dernières sélections. Actuellement, moi, je prendrais Castromontès, vraiment. Je trouve qu'il a une énergie assez débordante et une justesse technique dans laquelle il a vraiment beaucoup progressé. Alors, on connaît les qualités de Meunier, mais pour l'instant, je trouve que Castromontès mérite sa place. On parle pour la sélection de jeudi ou pour l'Euro ? Parce que c'est, pour moi, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que si tu vas à un grand tournoi, t'as forcément la question du statut qui se pose et de ton expérience internationale. Si tu te concentres sur les matchs amicaux, moi j'aurais tendance à te dire que même si je préférais pour lui que la Belgique joue dans un autre système, à savoir celui de l'Union dans lequel il est à l'aise, je pense que Castromontès a une valeur très importante que Tedesco aimera. C'est que je trouve que depuis 2-3 mois, il a une intensité physique qui est épatante. On sait que c'est une qualité de l'Union, mais... Même contre ça peut correspondre au foot de Tedesco. Contre Gand ce week-end, on reviendra à ce match-là, mais j'ai trouvé à la fin du match l'équipe de l'Union très, très coupée en deux, comme rarement, et même si Blessy ne veut pas en parler, il y a quand même pas mal de fatigue, je pense. Et je trouve que pour Castromontès, ça ne se voit pas beaucoup. Donc si vous me demandez sur le match amical, moi j'aimerais bien le voir. Parce que de l'autre côté, il ne va pas faire des tests pour faire plaisir à son dernier rendez-vous. De toute façon, à ce moment-là de l'année, peu importe si vous êtes sélectionneur belge, français, italien, 90% de votre effectif, vous l'avez déjà. Et il faut juste savoir si vous voulez faire un vrai match test ou si vous voulez... Donc vous pensez, votre intuition, c'est qu'il va reprendre quand même Meunier. Il sera dans la sélection jeudi. Je suppose, mais le problème de Kuipers et de Vermeer, ce sont des transferts qui vont leur coûter cher, en fait. Vous pouvez pas sélectionner un gars comme Vermeeren. S'il était resté à l'Antwerp, je pense qu'il aurait fait partie des 23. Sans temps de jeu, il n'y a aucune chance. Il faut des mecs avec du rythme dans ce genre de championnat. Et Kuipers, son transfert en MLS ne va pas l'avantager non plus. Vermeeren, je pense qu'il sera dedans. Franchement, je pense qu'il sera dedans parce que c'est un joueur prometteur, c'est un joueur de l'avenir. Il est jeune aussi. Il n'y a pas de honte à être sur le banc d'Atlético Madrid. Il n'est pas dans un petit club, il est dans un grand club. Il prend de l'expérience même sans jouer, parce que c'est compliqué mentalement. Je pense qu'il va le prendre parce que c'est un joueur d'avenir. Après, pour que... Il est dans une zone où il y a beaucoup de joueurs. Oui. Onana, Mangala qui devrait quand même être là, même Vranks qu'il aime beaucoup, Tielemans qui est titulaire à Aston Villa désormais, et Kevin De Bruyne qui revient. Donc Vranks aussi ne joue pas beaucoup. Enfin, voilà, il n'y a pas que lui qui ne joue pas beaucoup. Après, pour Kuipers, j'ai fait un peu exprès parce que je trouve que pour moi, Openda devrait être vu comme un titulaire. Donc deux attaquants. Ouais, donc vous enlevez un joueur. Ouais, parce que du milieu. Ouais, parce que ça fait deux saisons, il casse la baraque. C'est extraordinaire ce qu'il fait depuis deux saisons. Alors on va oublier les petits. Il n'a pas marqué contre le Real, d'accord. Enfin, deux saisons qu'il n'arrête pas de marquer partout où il est dans deux championnats, la France. Qui n'est pas facile, hein, franchement, marquer des buts en France, énormément de buts, c'est très compliqué. En Allemagne aussi. Système à deux attaquants à Leipzig. Pardon? Dans un système à deux attaquants. Moi, je pense qu'il peut s'adapter à Lukaku, franchement. Et Lukaku, on l'a vu. Mais est-ce que Lukaku peut s'adapter à Openda? Mais le premier match, je trouve que Lukaku ne s'est pas adapté à Openda en première mi-temps. Et ça m'a un peu embêté. Et puis, on ne fait pas un test deux attaquants
pendant 45 minutes. C'est pas assez. Et puis, on parle d'attaquants, mais il y a les milieux de terrain aussi qui sont habitués à jouer avec un seul attaquant. Ouais. Il y a les automatismes qui sont présents. Donc, c'est jamais évident de changer à quelques mois d'une grande compétition. Mais vous vous souvenez, Martinez, là, on parlait toujours de 3 derrière ou 4 derrière. Il n'a jamais changé. La compétition a commencé, il a changé. Ouais. Il a joué à 4 derrière. Et on s'est planté. comme quoi, il fallait rester à 3 derrière. Ouais, voilà, c'est de votre faute, tout ça. Moi, je pense que Michy ira, sûr. Ouais. 20 buts, toute compétition confondue, alors qu'il est réserviste. On reparle du statut, encore une fois, parce que ça a un peu la même idée que Thomas Meunier, sachant qu'en plus, il s'inscrit au Fener dans un rôle dans lequel il va jouer avec l'équipe nationale. C'est-à-dire que parfois, il a des minutes titulaires, mais il vient souvent du banc. Il arrive toujours à être décisif. Il est clinique devant le but. On sait que c'est une de ses grandes qualités. Contre l'Union, jeudi, c'était incroyable. Ouais. Et pour le coup, en termes de groupe, c'est quasiment la place qu'il a toujours eue dans le groupe. Nordine parlait de l'importance de ne pas faire de vagues ou en tout cas d'être bien à sa place dans un groupe international. Michy, il ira. Ouais, donc faites le compte, hein, 23 joueurs, alors qu'on vient de 26 pour les dernières grandes compétitions, il faut enlever 3 joueurs. Si on prend 3 attaquants, il n'y aura pas de place pour Vermeulen, à mon avis, hein, si on prend 3 attaquants dans la sélection pour l'Euro, je parle. Manu. Ouais. Dans une sélection à 23, ben, comme vous le soulignez, on passe des sélections Covid élargies au retour des sélections à 23. Je serais surpris, moi, qu'ils prennent 3 attaquants. Ce serait très bien, sans doute. Je n'ai pas dit qu'il va le faire, mais... Ah, ce serait bien qu'il le fasse, j'aimerais. Peut-être. Mais je crois qu'il ne le fera pas et il va partir avec Lucas. Je me permets, je ne sais pas quand on est sur la limite. Non, je suis pas certain. Partir à 2 attaquants à l'Euro, là, qui se blesse, c'est pas assez. Si tu joues à un attaquant, c'est pas assez. Je fais pas la sélection, mais je non, non, mais, à sa place. Non, mais par rapport à ce que tu as dit, je pense que même si tu joues un système à un attaquant... Minimum 3. Tu t'offres... Déjà, en cas de blessure, tu peux te mettre dedans. Et au-delà de ça, ça veut dire que tu t'offres aucune latitude tactique si tu as envie de jouer à 2 attaques. Si tu as juste envie de changer, une deuxième mi-temps, par exemple. Ouais. Tu peux pas faire ça. On peut dire que Charles de Ketelaere ou Trossard ont joué en 9 ou faux 9. Donc il y a peut-être moyen d'ajuster. Vous voyez, sans réfléchir. Sans véritable succès. Mertens aussi, une fois, contre la Hollande, en faux 9, ça marche pas. Donc... Lukaku. En attendant, ça fait beaucoup d'interrogations. Derrière, je parlais d'Aldakil qui joue plus du tout à Burnley. Donc ça laisse peut-être une opportunité à un nouveau venu ou un ancien de revenir. Pensez qu'il va faire quoi ? Wout-Face, tout va bien pour lui. Je sais que c'est toujours le plus discuté. j'ai regardé sur les 23 derniers matchs de Leicester, il a joué 22 fois un match complet et une mi-temps pour le 23e. Et Leicester est en tête de Champions League. Ouais, mais il est pas sûr de remonter parce qu'ils sont un peu en train de s'écrouler. Vous avez envie de changement, là, hein ? Ouais, mais je pense que je ne suis pas le seul. Ouais. Je pense que De Bast, vu sa forme actuelle, est absolument incroyable. Et il faut rappeler Alderweireld. On parle de Conny De Winter aussi, pour une arrivée dans la sélection. C'est trop tôt, c'est trop jeune. Non, mais s'il doit remplacer numériquement les absents, si Théâtre est forfait... Il faut de l'expérience à ce niveau-là. Donc vous prenez qui, alors ? Alderweireld. Ouais, mais Alderweireld, il faut encore qu'il dise officiellement... Avec De Bast, face à Vertonghen, on a assez. Mais est-ce que c'est pas sûr qu'Alderweireld soit disponible ? Il l'a dit, mais sans le dire, en fait. Si vous allez le rechercher, s'il fait un effort... Ça dépend comment vous allez chercher. Ouais. Axel Witsel, on en a déjà parlé, qui est désormais défenseur central. Là aussi, c'est pas clair. J'ai lu l'opinion d'un ancien sélectionneur fédéral, René van der Rijken, pour ne pas le citer, dans les colonnes d'un quotidien néerlandophone la semaine dernière, qui plaide pour une défense à 3, avec Witsel au milieu, Vertonghen, Alderweireld à côté de lui. Bon, c'est un petit peu un retour vers le futur. Ah, il rechange son système, alors. Alors, on joue plus avec les ailiers, on fait quoi, alors ? Les trois joueurs qu'on vient de citer là, je les adore, mais à 3 derrière, avec tout le respect que j'ai, à leur âge, ça va pas. Ouais. Pas assez de vitesse ? Pas assez de vitesse. Donc, Mais Witsel, j'ai pas dit qu'il fallait le prendre absolument, mais il faut un débat. Il joue titulaire à l'Atlético Madrid. Donc on doit avoir ce débat-là. Mais entre-temps, il a annoncé sa retraite, donc il faut d'abord le convaincre d'éventuellement revenir. Il faut voir pourquoi il a annoncé sa retraite. Ah, oui. Ouais, mais c'est vrai qu'ils doivent être clairs aussi, les joueurs. Bien si sûr, on dit « j'arrête » et puis finalement, via la bande, mais pas de manière officielle, bon, il faut qu'ils soient clairs aussi avec l'équipe nationale, ces joueurs-là. Ici, maintenant, Kroos, qui joue au Real Madrid, il a dit qu'il a arrêté sa retraite, comment dirais-je, sa carrière internationale, et maintenant, il a dit « je veux revenir ». Je suis disponible. Voilà, il faut vraiment des discours clairs. À un moment donné, il faut arrêter de jouer, c'est un peu fatigant. Lancelot, des idées chez vous ? Oh oui, des idées, on en a des bonnes et des moins bonnes, mon cher Benjamin, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des noms qu'on a déjà évoqués, Conny De Winter, Alessio Castromonte, c'est ceux qui reviennent le plus souvent. Alors Miles Villar, je sais que vous allez en toucher un mot, c'est vrai qu'on en parle beaucoup parce qu'il a refusé une sélection avec la Serbie pour éventuellement, qui sait, se payer une petite place dans le noyau des Diables Rouges. On ne sait jamais, mais ce qui revient beaucoup aussi, c'est Julien Dessart en disant, comme Vermeeren et Vranckx sont plus ou moins sur le flanc pour le moment, pourquoi pas prendre
un joueur qui est en pleine bourre et qui serait déjà bien content d'être là pour un petit match amical. Alors j'avais juste envie de vous dire une dernière chose. Je sais que vous êtes en train de parler du maillot de Tintin. Alors moi, je ne veux pas faire de communautarisme capillaire, hein, mais c'est vrai qu'il y a Joe qui nous dit utiliser des concepts de pays, donc les concepts du pays comme par exemple celui de Tintin qui représente la Belgique, c'est tellement rassembleur et beau pour notre petit pays qu'on ferait bien d'arrêter de râler. Voilà. Mais oui, c'est vrai, arrêtons de râler. Une fois on l'a déjà dans le passeport. Hein. C'est destiné à vous, hein. Arrêtons de râler. Hein. Je vous signale que j'ai pas râlé, j'ai simplement donné mon avis. Tintin, il est déjà dans le passeport. Parfois très très proche. Ouais, c'est vrai, il y a la il est déjà dans le passeport, Tintin. Dans la nuance. Ouais. En attendant, oui, effectivement, pour prolonger ce débat-là, on accueille Patrick Stein maintenant. Ça va, Pat ? Le débat Tintin ou le débat... Oui, c'est votre petite houppette, là. Voilà. Hein, vous en êtes où, vous, dans cette réflexion-là ? Moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Je me demande lequel des diables va le plus ressembler à Tintin entre De Bruyne et Castaigne, une fois qu'ils auront le maillot. Mm-hmm. On verra. Voilà, et Capitaine Haddock, hein, on sait qui c'est. Bon, adieu Benjamin. Patrick, c'était un plaisir. En attendant, redevenons sérieux quelques instants. Vous êtes là comme d'habitude avec les images des Belges qui ont performé, et notamment Miles Villars. C'est pour ça qu'on vous a fait rentrer aussi maintenant pour prolonger le débat sur la sélection. Voilà, comme vous le savez et comme chaque semaine, mes petits amis, on va retirer les images ici de Miles Villars et de tout ce qui va se passer sur le plateau maintenant, puisque si on le fait, on se fait kicker du live, et donc. Donc, on va prendre quelques petites secondes pour parler de cette sélection. Alors, pour moi, je dis, Miles Villars, est-ce que ce n'est pas une occasion à saisir maintenant ? Sauf que ce garçon-là, on sait qu'il est très, très ambitieux, qu'il a une bonne estime de lui-même aussi. Alors, on y va pour le mettre où, si on le reprend chez les Diables ? Si on le reprend, c'est pour lui dire, tu vas à la place d'Arnaud Bodard en quatrième position de gardien, je pense que ça ne va pas l'intéresser. Si on lui dit, par contre, écoute, j'ai toujours pas fait mon choix de numéro 1 pour l'Euro, ce que Tedesco a dit, hein. Tedesco n'a toujours pas dit que Castells c'était son numéro 1 pour l'Euro. Et s'il lui fait miroiter en disant, écoute, voilà, je peux te mettre un match amico sur les dos, tu vas jouer, et puis je vois si c'est toi qui va dans les buts. Je trouve que c'est intéressant parce que, alors je suis complètement honnête avec vous, je ne regarde pas tous les matchs de la Roma, mais dans ce qu'on me dit, c'est pratiquement le meilleur joueur de la Roma sur les dernières semaines. Donc, c'est clair que c'est un garçon qui a des qualités, mais ça, on le sait depuis des années et des années qu'il a des qualités, mais il fallait qu'on lui trouve un club dans lequel il pouvait les exprimer. Il se fait que c'est la Roma, c'est pas n'importe quoi comme club. Jean-Yves me demande, Courtois définitivement out pour l'Euro ou réconciliation en vue ? Je pense définitivement out pour l'Euro, mais après, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que notre ami Thibaut Courtois va ravaler sa chic, peut-être que Domenico Tedesco et lui vont pouvoir s'entendre. Je pense que dans l'état actuel des choses, ça va être très compliqué pour Thibaut Courtois de revenir. Franck Bernard nous dit, bah oui, on avait bien pris des genoux comme Vervoort et Demol en 1986, pourquoi pas. Benoît Bex nous dit, Svilar mériterait une petite récompense, vu ses prestations, ça ne pourrait qu'être bénéfique pour lui. Oui, et puis je pense surtout que ça ne le condamnerait à rien, parce que vous le savez, ici, on jouerait des matchs amicaux. Donc ça veut dire que s'il vient chez les Diables Rouges et que finalement, il trouve que la Serbie, c'est mieux, bah, il peut toujours re-opter pour la Serbie derrière. Ce serait dommage, hein, parce que, bon, on le sait, il a fait notamment le parcours avec les U21 chez nous, avec les Diables Rouges, puis il est parti avec la Serbie. Maintenant, on parle d'un éventuel retour ici. Bon, c'est à voir. Tout ça s'écrit encore en pointillé. De toute façon, moi, je trouve qu'avant d'aller trop loin dans ce débat, il faut savoir, comme j'ai dit, de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un premier gardien, d'un deuxième gardien, d'un troisième gardien ? Honner nous dit, Arthur mérite sa place dans notre défense, bah, j'imagine que c'est d'Arthur Théâtre qu'il parle. Et bah, ça, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'il va aller dans cette défense, puisqu'il a tout joué, il a été titulaire à chacun des matchs sous Domenico Tedesco. Je crois d'ailleurs que c'est le seul joueur à l'avoir été. Le trio Doku, Lukaku, Bakayoko à l'Euro peut-il faire trembler les défenses ? Alors, la réponse est oui. Maintenant, est-ce que ça va être ce trio-là qui va commencer tous les matchs à l'Euro ? Je suis pas sûr. Pourquoi pas ouais, j'ai l'impression qu'avoir Doku et Bakayoko sur les flancs, peut-être contre des équipes réputées plus faibles, oui, mais dès qu'on va jouer contre des grands, je suis
pas certain que c'est ce trio-là qui va commencer. À voir. Voilà, Jean qui nous dit « Vermeeren, évaluation surfaite ». D'ailleurs, ils ont déjà compris à l'Atletico, donc on le laisse à la maison. Moi, je ne le condamnerai pas, Arthur Vermeeren. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas choisi le plan le plus simple pour aller à l'Euro. Être titulaire dans un club comme l'Atletico Madrid, ça se mérite. Et c'est surtout très, très compliqué. Donc, je pense que dans l'état actuel des choses, c'est compliqué. Mais surtout, l'Atletico ne marche pas, ne tourne pas pour le moment. C'est 2 victoires sur les 9 derniers matchs. Donc, ça fait très, très peu. C'est pas dans ce genre de cas, c'est pas dans ce genre de moment qu'on lance un garçon comme Arthur Vermeeren qui arrive seulement dans l'équipe et qui doit encore apprendre beaucoup de choses. Jean, il nous dit quid de Kettelaar. Pour moi, il est repris. Sûr, Charles Kettelaar, franchement, il va être repris, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Il rejoue à l'Atalanta, il joue bien, il a des stats. Ça reste un joueur qui peut nous débloquer un match sur plusieurs types de situations. Il peut jouer deuxième attaquant, il peut jouer milieu off. Pour moi, il y sera, pas trop de doute. Frédéric, par rapport à Vermeeren, qui nous dit « Simeone le prépare pour la saison prochaine », je suis d'accord et en même temps pas d'accord, parce que Simeone, il a des impératifs, c'est de faire jouer bien son équipe, point barre. Et à l'Atletico, c'est pas un vestiaire dans lequel on va se faire des cadeaux, c'est les meilleurs qui jouent, et donc il faut juste être meilleur que son concurrent à l'entraînement pour jouer. Quand bien même, il a coûté 28 ou 30 millions d'euros, je ne sais plus. Il va devoir être meilleur et ça veut dire être meilleur que des joueurs comme Koke, comme Saúl, Llorente, des joueurs comme ça qui sont juste très très forts. Et voilà, François Gilquin, tu poses une très très bonne question, je trouve, qui fera l'objet d'un développement bientôt sur la RTBF, c'est qui décide des couleurs et le style des maillots de l'équipe nationale. Eh bien ça, c'est un vrai sujet. Et on va en parler, mais prochainement, parce que j'ai pas encore toutes les réponses, j'ai quelques idées de pistes de réponses. Et voilà. Bon. Ludo, tu nous dis, Lancelot, on ne peut prendre que 23 joueurs. Eh ben oui, honnêtement, je crois qu'on y sera aux 23 joueurs. Moi, je pense que la sélection, elle est faite, à part blessure. La sélection pour l'Euro, elle est faite. Alors, la sélection ici, il peut prendre quelques joueurs un peu pour les tester ou pour faire le nombre. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il va faire, vu qu'il y a des blessures. Mais en attendant, la sélection, elle est faite. En défense, on le sait, c'est Vertonghen et Fass qui vont jouer avec De Bast, qui sera l'une des doublures. La deuxième doublure, ce sera soit Aldakil, s'il revient dans le circuit. Sinon, effectivement, il y aura un poste ouvert. À gauche, Théâtre, on en est persuadé avec... peut-être même pas de suppléant direct. À droite, ce sera Castagne et Meunier. Castagne pourra peut-être servir de numéro 2 comme défenseur gauche au cas où il y a un problème avec Théâtre. Voilà, pour la défense, c'est déjà réglé. Pour les gardiens, Castells, Kaminski, Sels, sauf si Svila arrive dans le tas. Voilà, ça c'est bon. Milieu de terrain, on ira avec Onana, avec Mangala, avec Tielemans, avec De Bruyne. Ça, c'est les quatre qui sont sûrs. Sur les flancs, il y aura du Doku, il y aura du Bakayoko, il y aura du Carrasco. Et puis devant, on aura du Lukaku, du Trossard, du Batshuayi et du Openda. Voilà, si vous avez bien compté, on doit être pas loin des 23, je pense. Ah ouais, bah on y est. Ah bah voilà, on y est. Et bah vous les avez. Mais bon, ça évidemment est dépendant des blessures. Et je remercie mon ami Christian Mazui qui était à la réalisation et qui était surtout avec son boulier compteur pour compter qu'on était bien au bon nombre. Bravo mon cher Cricri. Michael nous dit en cas de gros pépin, Papillane pourrait combler l'arrière-gauche. Non. Parce que Papillane a décidé qu'il ne traversait plus le milieu de terrain et qu'il restait bien derrière, et c'est peut-être bien comme ça. Bon, en tout cas, on est sûr qu'il est indéboulonnable chez Lou, même indiscutable. Mathieu nous parle de Witzel. En janvier, Witzel était en Europe le joueur en défense au plus haut taux de duel de la tête remportée avec un score remarquable de 82%. Aberrant de s'en passer. Alors, mon cher Mathieu, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis, parce que sortir une stat comme ça de son contexte, je sais pas. Moi, les matchs de Witzel que je vois, c'est pas spécialement ces duels de la tête qui m'impressionnent. C'est son sens de l'anticipation, le fait qu'il a
n'est toujours au bon endroit pour combler les trous et qu'il a beaucoup de calme au ballon. Voilà, Witsel, il ne perd pas un ballon, ça on le sait. Peut-il revenir en équipe nationale? Pour moi, non. Sauf si Domenico Tedesco lui adresse un message très très clair du style « Axel, j'ai besoin de toi, j'ai un projet pour te faire jouer dans l'équipe, je veux mettre un tel sur le banc et donc tu auras du temps de jeu ». C'est la seule chose qui pourrait le faire sortir de sa retraite. Si c'est pas Axel Witsel qui va dire « je suis disponible pour l'équipe nationale », ça c'est non. Il faut que Domenico Tedesco manifeste son envie et il ne l'a pas fait. Donc je pense que Axel Witsel, ça n'arrivera pas pour cette raison-là, parce que si Domenico Tedesco ne se manifeste pas, Axel Witsel ne fera pas le premier pas. Vous voyez, c'est parfois comme dans un couple, hein, quand on a eu une chamaillerie, ben on attend que l'autre fasse le premier pas et parfois il faut avoir un peu la capacité de mordre sur son orgueil ou sur sa chic. Antoine nous dit « Trossard doit être titulaire. J'ai l'impression qu'il est sous-estimé. Quand on voit ce qu'il a fait à Brighton et puis maintenant à Arsenal, même s'il ne joue pas souvent, il score et a des stats tout en étant disponible pour ses coéquipiers. C'est un bon joueur sous-estimé. Antoine, tu es 100% raccord avec mon avis. » Je trouve que c'est exactement ça. Trossard, j'ai l'impression que parfois il paye un petit peu le fait d'être un gars discret, qui fait pas de vagues, qui n'en rajoute pas trop, qui est même parfois discret sur le terrain aussi. Mais quel bon joueur, quel bon joueur. Et à Arsenal, alors il l'utilise souvent comme 12e homme, hein, c'est souvent le mec qui sort du banc, mais c'est vrai qu'il a des stats. Il est excellentissime. D'ailleurs, bah, quand je vous ai fait ma liste des 23 de tête comme ça, il était dedans. Parce qu'il est dedans, il est fort. Il est fort, ce garçon-là. Et je pense que sous... Roberto Martinez, il était sous-exploité. Rappelez-vous, je me rappelle d'un match contre la Finlande à l'Euro 2021 où il l'avait fait jouer comme flanc gauche, hein, à la place où évoluait bah, Thorgan Hazard ou Yannick Carrasco. Moi, je trouve que c'est un garçon qui a énormément de qualité en soutien d'attaque. Et quand on parlait d'avoir trois attaquants de pointe avec Lukaku, Openda et Batshuayi, bah, sincèrement... Moi, je trouve qu'on peut compter Trossard comme l'un des trois attaquants et peut-être en se séparer d'un des autres mecs là-bas. Ou alors, au moins, c'est un gars qui aura la polyvalence, comme de Kettelaar, peut-être considéré à la fois comme un attaquant et un milieu off. Donc voilà, Jean-Yves qui nous dit « Salmaker, c'est cuit pour l'Euro ?» Je pense, parce qu'il joue à une position de milieu offensif gauche. Or, là où Tedesco voulait le tester, c'était au bac droit. Mais bac droit, voilà, Thomas Meunier va revenir, ça semble assez sûr. Donc, je crois, malheureusement pour lui, parce que on sait qu'il peut faire des choses magnifiques avec un ballon. Hein, Alexis Salemakers, il a cette folie dans le jeu qui le rend... Enfin, moi, j'adore voir jouer ce gars-là. Il est vraiment top. Mais je crois que pour lui, ça va être un peu compliqué. On me dit, le problème de Trossard, c'est qu'il est passé pour un Eden low cost, ce qui est tout à fait faux. Ben voilà, ça va dans le même sens que ce qu'on dit. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment ça. Il paye parfois un petit peu le fait d'avoir l'air d'un mec lambda. Et ça ne l'est pas du tout. Il est juste super fort. Milo nous dit, pas de Toby Alderweireld. Ben, même pour moi, même débat que pour Witsel. Alors, on peut être pro pour le retour de Witsel, soit pro pour le retour d'Alderweireld. Moi, je ne vais pas me positionner dans ce débat-là. Mais dans tous les cas, je pense que ça n'arrivera pas, sauf si Domenico Tedesco vient toquer à la porte de Toby en lui disant « Écoute, mec, j'ai besoin de toi, viens avec nous. » Brandon nous dit « Vous croyez que la Belgique va aller en finale ?» Il faudrait une petite constellation de miracles, hein, que les planètes s'alignent, là. Vous voyez, comme dans le dessin animé Hercule, là, quand Hadès est avec les moires dans les enfers, ben, il faudrait que ça s'aligne comme ça. Mais impossible, c'est pas impossible. Avec l'équipe qu'il y a, c'est pas impossible. Ce serait un petit miracle, mais c'est pas impossible. Mathéo me dit, je suis pas si sûr que toi pour Meunier. Ça fait un bon moment qu'il n'a plus été repris. Hein. De plus, Siké fait ses matchs au cercle. Mathéo, en fait, Hugo Siké, il est blessé depuis un certain temps. Il va revenir pour les playoffs. Et Meunier, ça fait un moment qu'il n'a plus été repris, peut-être, mais parce qu'il ne jouait pas du tout à Dortmund. La vraie différence, c'est que maintenant, il joue avec Trabzonspor. Il a été décisif pour ses premiers matchs. Et je pense aussi et surtout
qu'il a l'expérience des tournois, parce qu'il en a déjà disputé plusieurs. Il était là en 2016, en 2018, en 2020 et en 2022. Donc il a déjà 4 grands tournois derrière lui. 4 grands tournois, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que je crois que c'était Swan qui en parlait sur le plateau en disant que c'était important d'avoir des mecs qui avaient l'expérience des grands tournois. Je pense, du coup, qu'il y sera. Mais je suis ouvert à la discussion. Hein. Moi, voir un Castro Montes ici, et pourquoi pas qu'il essaie de bousculer la hiérarchie sur quelques minutes qu'il pourrait avoir. Pourquoi pas ? Louis, je viens d'arriver, mais Castro Montes, on n'en parle pas. Si, on en parle, on en a parlé. Et clairement, hein, même sur le plateau, on dit s'il y a un moment pour être sélectionné, des mecs comme lui et comme Julien De Sarre, c'est maintenant qu'ils doivent avoir une ouverture pour être sélectionnés. Après, ce sera trop tard, je pense. Allez, on va écouter le dossier de la rédaction signé Manuel Jousse. Jusqu'en quart, en demi, a une influence négative sur les points pris en championnat. On a voulu voir si c'était finalement une vue de l'esprit ou si ça avait été vraiment avéré avec les résultats passés. Alors, je vais aller rechercher tous les cas de figure depuis la création des play-offs en 2009-2010. Donc, c'est la 15e année de play-offs, mais la 14e édition, puisqu'il y a eu une année sans l'année Covid. Et donc, j'ai regardé les 7 quarts de finale concernés et les matchs de championnat liés, c'est-à-dire le match avant. Oui, là, on nous montre déjà le Anderlecht-Manchester United en 2016-2017, j'allais y venir un peu plus loin, mais donc les 3 matchs de championnat concernés, le match qu'on joue avant l'aller de Coupe d'Europe, le match de championnat entre l'aller et le retour et le match de championnat après le match retour. Oui. Donc ça fait au total 3 rencontres et maintenant on va voir le tableau pour avoir un petit aperçu de ce que ça donne, avec dans une colonne les clubs, la saison concernée, par qui ils ont été éliminés, le total pris sur les 3 matchs en question et leur position finale au classement de la Pro League. Alors je l'ai dit, il y a eu 7 quarts de finale qui impliquent 6 clubs, puisque Anderlecht en a joué 2, et tout cela est allé sur 4 saisons seulement, puisque souvenez-vous, l'an dernier on a eu 3 quarts de finalistes et en 2016-2017 on en a eu 2. Alors à part Gand et Anderlecht, l'an dernier 1 point sur 9, 2 points sur 9, où là on peut dire que l'influence était mauvaise sur les résultats en championnat, la tendance est plutôt positive. Prenez justement le cas d'Anderlecht en 2016-2017, là on va pouvoir revoir les images de ce double affrontement contre Manchester United, parce que ça va quand même rappeler de bons souvenirs. C'est le cas où finalement un club belge a été le plus proche d'une qualification pour les demi-finales ces dernières années. Le but de la tête terriblissime de Don Donker au match aller, hein, c'était un but partout. Et puis alors le retour à Old Trafford, où là on est vraiment allé jusqu'au bout du suspense. Égalisation, la frappe de Tielemans repoussée par la transversale à la reprise au petit rectangle, on retrouve Sofia Nani qui fait 1-1, et donc il a fallu aller au bout du suspense, et c'était Marcus Rashford, je pense, qui avait finalement donné inscrit le but de la victoire pour Manchester. On va le revoir ici, mais vous voyez ça, hein, donc après 106 minutes de jeu, on n'avait plus été aussi proche d'une demi-finale depuis que l'Antwerp dans les années 90 avait atteint le dernier stade contre Parma Wembley, et cette image de José Mourinho qui va applaudir le bloc des supporters bruxellois qui s'étaient déplacés en nombre. Donc là, cette saison-là, eh bien Anderlecht avait pris 7 sur 9 et fini champion avec Weiler. On peut peut-être revoir le tableau de tout à l'heure. Et alors, la même saison en 2016-2017, Genk avait fait mieux encore, avec 9 points sur 9 pris dans les 3 matchs de championnat en question, mais avait fini 8e, puisque là, Genk jouait les play-offs 2. Donc on peut se dire que le 9 sur 9, c'était peut-être contre des adversaires d'un moindre niveau. Mais alors, si on fait l'addition de tous les points pris dans ces 7 exemples, on est légèrement au-dessus de 5 sur 9. C'est à ça que je voulais en arriver. Donc finalement, on est un peu au-dessus de la moyenne, tout club, toute saison confondue. Donc l'Europe n'apparaît pas si pénalisante que ça, parce que oui, il y a le paramètre fatigue qui peut jouer négativement, mais la confiance en soi, la spirale positive peut aller dans l'autre sens finalement. 2 fois sur 7, le quart de finaliste a été champion. Et puis je voulais finir aussi avec un peu cette contradiction dans des discours qu'on entend souvent du serpent qui se mord la queue. On joue toute la saison en Belgique pour essayer de décrocher un ticket européen, et une fois qu'on est en Europe, parfois on se dit, on se pose la question, voilà, priorité championnat, on laisse l'Europe de côté. Heureusement, ce n'est pas le discours qu'on entend le plus souvent aujourd'hui. Quand on interrogeait Philippe Bormans à l'Union, lui il dit, ben justement, c'est ridicule, se battre pour l'Europe et pas jouer l'Europe à fond, on le fait à fond. Donc il y a une petite évolution, et je crois aussi qu'avec l'arrivée de la Conference League, qui est plus adaptée finalement aux ambitions des clubs belges, eh bien la notion de la Coupe d'Europe et d'aller loin en Coupe d'Europe
reprend un petit peu de C'est redevenu une vraie ambition forme, ouais. Et Bruges l'a affiché, l'a affirmé, et on veut gagner cette Conference League, bah tant mieux. Forcément, pour compléter, cette saison, j'ai pris les stats des deux clubs encore en lice. L'Union 26 sur 30 les lendemains européens. Donc, avec le match nul d'hier, c'est la deuxième fois seulement qu'il ne gagne pas après un match européen. Donc, 26 sur 30, c'est costaud. Et Bruges, 24 sur 36, vous allez me dire moyen. Mais en fait, c'est mieux que leur moyenne totale de la saison. Donc, ils font mieux après les lendemains européens qu'en moyenne sur la saison où ils ne prennent un peu moins que les deux tiers de points que le 24 sur 36 après les lendemains européens. Est-ce que c'est un vrai débat? On parle aussi beaucoup de fatigue à l'Union. À demi-mot, Anthony Maurice a répondu à ça la semaine dernière. Non, nous, on veut jouer le maximum de matchs possible. Mais malgré tout, y a les chiffres qui encadrent les matchs, mais il y a peut-être les chiffres totaux aussi de toute une saison où quand on rajoute 10, 15 matchs européens, c'est peut-être à la longue que ça peut, ça peut peser. Je rebondis sur ce que Manu a dit par rapport à cette philosophie où maintenant... On parle moins de dire, de se plaindre par rapport à la Coupe d'Europe. Après, c'est une philosophie. Il faut investir un peu pour avoir un noyau plus grand et vouloir faire quelque chose en Coupe d'Europe parce que c'est ça le problème. C'est toujours jouer avec les mêmes. C'est ça qui est difficile. Mais c'est, quand même, c'est tellement beau de jouer en Coupe d'Europe. Et puis, n'oublions pas que ça nous met des points coefficients. Ah oui. Donc, c'est important pour ça. Puis cette expérience européenne est profitable en fait à notre football et aux équipes qui jouent ces Coupes d'Europe. C'est quand même mieux de jouer Man United ou Leverkusen que Courtrai, Eupen ou voilà, sans leur manquer de respect. Hein. Non, mais effectivement, on comprend l'idée. Tout le monde semble d'accord, effectivement. Bah, oui, vous préfériez jouer des matchs aussi quand vous étiez professionnel plutôt que de vous entraîner. Bah oui, on aimait bien jouer. On aimait bien surtout jouer des matchs de Coupe d'Europe. C'est vrai que parfois, quand on revenait avec Bruges et on jouait... À Saint-Tron, avant Saint-Tron, c'était pas un terrain synthétique. Hein. Mm-hmm. Il roulait pas le terrain juste après notre match. Donc oui, c'était dur, mais c'était tellement beau de jouer en Coupe d'Europe. Voilà, merci pour ce débat. Merci Manu pour ce dossier. On voulait, dans cette tribune, rendre hommage à notre ancien confrère, Jean-Paul Colomval, le premier des consultants de l'histoire de la télé belge. Mais bon, surtout aussi, incroyable joueur de foot. Il faut le rappeler, champion avec le Standard en 69, meilleur buteur de D1 en 65, meilleur buteur de D2 en 1970. L'ancien aussi du D-Ring, du White Star ou du Racing White à Bruxelles. Et ce duo avec André Rémy du vendredi soir, qui a révélé les matchs en direct dans notre pays. Philippe, vous l'avez croisé, vous le connaissiez bien. Ouais, fin des années 80, là. C'était encore Canal Plus à l'époque et c'est un précurseur. Hein. Mm-hmm. Et il a beaucoup fait aussi pour les jeunes. Hein. C'est le premier qui a ouvert une école pour les jeunes. Donc non, franchement, que de bons souvenirs. Et c'était un mec extraordinaire. Voilà, une pensée pour ses proches et pour ses anciens collègues de Vous Sport, évidemment. Merci Philippe. On part maintenant sur le prix Michel Lecomte. Manu et Pat, vous êtes les bienvenus, vous pouvez rester... On vous a dit de rester jusqu'à la pub, donc... Ouais. On fait ce qu'on nous dit. Très, très, très bons élèves, c'est sympa, les gars. Bon, le classement, si vous étiez présent la semaine dernière, vous savez qu'il y a un changement dans... Regardez, je pense que c'est le premier but. Oh, c'est un gardien. C'est un gardien. Ouais, il fallait le faire entrer, ça. Les 5 candidats du jour, on va démarrer, il y a de la jeunesse, notamment avec Mathis, U9 de l'Union Utoise, qui sera le premier candidat. Regardez, hop, cette petite
roulette. Il a 8 ans. Il y a la conclusion derrière. Bravo Mathis. On enchaîne avec Maël. C'est bien d'être bien. Les U13 de Charleroi, on a dû accélérer parce que ça a duré 2 minutes contre l'Antwerp, le Sporting de Charleroi, qui va faire tourner le ballon. Tous les joueurs de l'équipe, ou quasiment, l'ont touché. Et puis hop, Maël, petit geste technique et de son mauvais pied. Le gauche, oui. Signale-t-on. La frappe, il a 12 ans. Bravo à Charleroi pour ça. Moyen de le faire jouer. Un bon exemple. Timothy Lazari, la calamine, des deux amateurs. Pas mal, hein. Roulé du gauche. La belle. C'était magnifique dans le stade de Tubize, je pense. Okay. Mathieu Perrault, de Libramont. J'adore ce terrain. J'adore cette reprise. Oh là là. Ouais. Dans votre belle province, Philippe, Libramont. Donc pour Mathieu. Et puis le dernier, U8, donc il a 7 ans. Il a 7 ans, regardez ce que va faire Tylan. Hop, petit pont, crochet, accélération, pichenette. Il a 7 ans, il joue à Berkem. Bravo Tylan, bravo à tous. Et donc, n'oubliez pas de nous envoyer vos vidéos. L'unique adresse, je le répète, mais c'est important, prixmlecompte@rtbf.be. prixmlecompte@rtbf.be. Est-ce qu'un de ces 5 candidats rentre dans le classement? Moi, j'aimerais bien faire rentrer le petit de Berkem, là. Le dernier. Ouais, j'aimerais bien le faire rentrer. Ouais, le dernier aussi. Le dernier. Moi, j'ai bien aimé Libramont. Hein. Libramont. Ouais, le dernier, il est bien. Ouais. Coup de cœur pour le petit dernier. Le petit dernier. Ouais, parfait. Ok, bah, le petit dernier, Tylan de Berkem, rentre dans le classement. Merci. Merci, Pat et Manu. Vous n'êtes pas resté pour rien. Vous allez voter pour l'ami Michel Lecourt sur votre page Wikipédia. Vous pouvez l'inscrire maintenant. Là, c'est la pause. Et puis, on revient à parler du championnat de Belgique. À tout de suite. C'est la pause en bas et donc nous on joue les prolongations, mes petits amis. Ça va être l'opportunité maintenant de répondre à vos questions. Donc si vous en avez par rapport à la première partie de l'émission, par rapport à ce qui va suivre dans l'émission, parce que oui, pour la suite, ça fait bientôt une heure qu'on est parti. On n'a pas encore parlé du championnat belge ou presque. Alors on va parler Standard bien sûr, on va parler Anderlecht, on va parler Charleroi et de l'Union aussi évidemment. Donc voilà, plutôt des bonnes choses. Je remonte le fil de vos questions. Adricole se rappelle bien que l'année passée, Anderlecht, ça concerne le dossier de Manu, Anderlecht a eu un gros coup au moral avec la défaite après un premier aller très prometteur contre l'AZ et la perte de Verscharen qui portait l'équipe a porté préjudice pour la suite. Oui, c'est possible, même si je pense qu'Anderlecht l'année passée, de toute façon, n'était pas en play-off, mon cher Adricole. Voilà. Je crois que vous êtes beaucoup, notamment Samy Poupe, qui en a parlé pour dire que Zeno De Bast doit être titulaire à la place de Fass. Malgré sa jeune expérience chez les Diables, je crois qu'il pourrait beaucoup aider la Belgique à l'Euro, bah, surtout dans sa complémentarité avec Jan Vertonghen. Hein. C'est vrai que vous êtes beaucoup à en parler ça semble logique en fait. Parce qu'il y a une complémentarité, parce qu'il y a une défense à 4 à Anderlecht qui est répétée chez les Diables Rouges, avec là aussi un 4 arrière. Donc ça pourrait sembler naturel de l'avoir. Maintenant, je pense que, enfin, je sais même que vous êtes beaucoup à critiquer Wout Faas, ou à remettre en doute qu'il soit titulaire, parce que c'est un mec qui joue seulement, entre guillemets, en division 2. Anglaise, même si on sait que c'est un championnat particulièrement compliqué. Le problème, c'est que Wout Faas, enfin le problème, si c'en est un, Wout Faas, il est juste indéboulonnable. Il a tout joué aussi. Je crois qu'il n'y a que 45 minutes qu'il n'a pas joué sous Domenico Tedesco. Donc, on peut dire ce qu'on veut, être pour, être contre. Je pense que c'est un impondérable, sauf blessure. Wout Faas sera titulaire à l'Euro. Alors peut-être qu'ici, il va tester d'autres choses, mais rappelez-vous même les matchs amicaux qu'il y avait eu. Il y avait eu un match amical contre la Serbie en novembre, celui qui avait été joué à huis clos. Il a quand même fini par mettre Wout Faas en deuxième mi-temps. Alors certes, Aldakil avait joué une première période en défense centrale. Attendant, Aldakil, il n'est plus là. Il n'est plus sur la feuille de match avec Burnley. Burnley qui va descendre en championship, justement. Il est parti dans une voie, Domenico Tedesco, c'est la sienne. Et il va écouter, je pense, absolument personne. Et il va aller avec ses idées. Hein, comme le disait Georges Brassens, c'est un artiste qui est cher à mon ami Christian Mazoui, ici en régie. Mourir pour ses idées, mais de mort lente, mon cher Christian, non ? Tout à fait, il me semble.
Donc, il va aller avec ça. Et même si on peut le déplorer ou ne pas être d'accord ou trouver que c'est pas la solution idéale, voilà. Alors, on va parler de la suite et notamment de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé dans notre championnat, le championnat belge, avec le Standard qui est sauvé. C'est une information, bon, c'est peut-être pas incroyable, mais ils sont sauvés après un match très très poussif contre Genk et une défaite là-bas. Bon, ils vont y aller chapitre par chapitre, mais on va voir par où ils attaquent cette deuxième partie de l'émission. Message envoyé à Bruno Irles, le coach du RVDM. Tu connaissais la situation du club avant d'arriver. Il faudra déjà traduire Ekette. Pour lui. Nordine. Oui. Voilà, les mots ont une importance. Le Ekette, déjà, il est important dans ce message. Ouais, c'est Bruxelles, non, mais dans cette situation-là, on l'avait dit il y a quelques semaines dans la tribune, qui allait reprendre comme coach. Bah, je pense que lui, il a repris. Il y avait quelqu'un de l'extérieur qui pouvait reprendre parce que dans une situation comme ça, c'était très compliqué. Je pense que Igor de Camargo, qui connaît bien l'équipe, qui connaît bien les joueurs, aurait pu reprendre ce poste-là. Mais voilà, et puis après son interview, il prépare déjà les play-downs. Et comme s'il n'était pas concerné par le derby du week-end. C'est un derby, on sort d'un derby. Je veux dire, vous pouvez rater une saison, vous pouvez même jouer la descente. Si vous gagnez ou faites quelque chose contre Anderlecht dans le derby, ça peut vous amener quelque chose. Et ça, je pense qu'il n'a pas compris. Il n'était pas le seul à ne pas s'intéresser au derby, ses joueurs aussi. Ouais. Ça, c'est absolument incroyable. C'était, Aucune identité. Aucune identité. Mais c'est le problème, c'est ça votre message aussi. Est-ce que l'entraîneur sait-il où il est tombé et les joueurs aussi savent-ils vraiment quel club ils représentent en fait? Ce sont des questions importantes quand on joue au foot, non? Elles sont importantes, elles sont d'actualité surtout parce que ça n'arrive pas qu'à Molenbeek, mais je pense que voilà, on attend d'un nouvel entraîneur un changement, un électrochoc, quelque chose. Et si au moins on peut ne pas être exigeant dans le jeu de suite, parce qu'il faut laisser un poil de temps. Je veux bien préparer les play-downs, mais il faut être exigeant sur ce qui se passe en termes de mentalité. Et Philippe le disait, ce qui s'est passé pour le derby et même les matchs précédents, au final, depuis son arrivée, on ne voit rien de nouveau. Oui, parce que pour se sauver, ça se joue surtout avec le cœur et dans ses multipropriétés. Hein, c'est vraiment à la mode dans le football maintenant. On a l'impression que ces joueurs qui arrivent de Botafogo, de Lyon, ils représentent plus un groupe qu'un club, mais ça se voit très très fort en ce moment-là, particulièrement à RNM, Cécile. C'est-à-dire qu'il y a zéro collectif, donc vous pouvez avoir toutes les individualités du monde, et on le sait avec Jeffrey Adelaide par exemple, pas que lui, hein, on parle de lui parce qu'il représente quand même un peu cette espèce de star system qu'on essaie d'amener dans ces clubs-là. Hein. C'est, il y en a un qui arrive, l'autre qui part, et puis voilà, on les met un peu où on veut. C'est un peu des pions, en fait. Mais c'est pas, vous ne pouvez pas créer un collectif. Et le collectif de Courtrai est bien meilleur. Alors peut-être pas individuellement, mais ici, il n'y a rien. Oui. C'est le problème, à mon avis, auquel ils vont se confronter, c'est que Bruno Irles parle de préparer les play-downs. Moi, ça, dans l'absolu, ça ne me choque pas, parce que ça me paraît irrémédiable et que c'est un objectif qui est viable, finalement. Pas avant un derby. Non, il aurait dû dire ça dans un autre match qu'un derby. Oui, ou ne pas le dire et le penser. Mais voilà. Mais par contre, le souci, c'est qu'il faut absolument retrouver l'identité molenbeekoise et ce côté intense, parce que, Cécile le disait, Courtrai et OHL, là-dessus, ils ne vont pas blaguer sur les matchs de play-down. Parce qu'on parlait de OHL contre Bruges qui a fait un très bon match. Ouais. Courtrai a un super coach et je trouve que quand même, collectivement, c'est une équipe qui se tient. Donc, voilà, et même remarque pour Open, mais on montrera les images du derby quand on parlera des Champions Playoff avec Anderlecht. Mais pour terminer sur le RVDM, Philippe, avant d'attaquer la suite des play-downs. Dans la situation qui est la leur, c'est pas 11 joueurs qui doivent être soudés, c'est le groupe entier. Et le 11 de base samedi, je vais citer deux noms, j'aurais pu en citer plusieurs, mais la nonchalance de Reine Adélaïde qui a d'énormes qualités, la nonchalance comme il a commencé le match, et Adara Mola qui l'arrière gauche qui offre un pénalty en fin de match du côté de Courtrai et il sait qu'il se fait remplacer malheureusement pour lui après 25 minutes, mais c'est d'une logique implacable parce qu'ils ne sont pas concernés en fait. Après, on a parlé de tout le monde sauf du président.
qui a choisi de sauver Lyon et peut-être pas de sauver RWDM, ça aussi. Voilà, on vous montre les images dans un instant, mais pour ce qui est de la lutte, hein, pour la dernière équipe qui jouera ces play-downs, ça va se jouer, on le rappelle, entre dans l'ordre Westerlo-Charleroi et OHL. OHL qui a fait un bon match, hein, qui a mené au score à Bruges et qui a eu d'autres occasions, vous en avez parlé, Philippe. Mais soit il y avait du contenu dans cette équipe d'OHL. On a assez justement de parler de la mauvaise première mi-temps de Bruges, mais elle est aussi due à la très bonne première mi-temps de cette équipe d'OHL qui a aussi des qualités individuelles. On voit ici Maziz Thorstensson qui est un petit peu un grain mais qui est un joueur de foot assez incroyable. Et cette équipe-là, pour moi, elle va donner, si elle fait des play-downs, du fil à retordre à ses adversaires parce qu'elle a des grandes qualités. Elle a un coach que moi je trouve assez intéressant pour bien l'avoir connu en France. Et là, on voit toutes les occasions qui ont été montrées face à Bruges. Ils peuvent avoir des regrets de ce match OHL. Ouais, celle-là, elle est immense, évidemment. Ouais, quand on joue le maintien, des occasions comme ça, on ne peut pas se permettre de les rater, surtout quand on joue à Bruges. Après, son cousin, Alain, en a raté une pire il y a deux semaines. Ouais. Donc, ils vont se les passer en boucle, ouais, et faire un petit concours au prochain sujet, ouais, de famille. Oui, mais là, on voit un football posé avec des automatismes et un groupe qui veut jouer la victoire, même à Bruges, parce qu'ils n'ont plus, le choix. Donc voilà. Il y avait un petit débat sur la dernière phase de la première mi-temps, en pénalty ou pas. En ralentissant le ralenti, on a quand même, nous, l'impression que Jackers touche la balle avant le joueur. Et donc, la sortie est considérée comme correcte dans ces cas-là. Mais c'était moins une, hein, de nouveau. Ah, il touche la balle avec le pied, du coup. Ouais, c'était moins c'est une. Ça. Et... il touche la balle avec le pied et il le fauche avec les mains, si on est d'accord. Il touche la balle avec le pied. Là, hop, la main. Avec la main gauche aussi. Ouais. Moi, le gant. Moi, je suis penalty quand même. Hein. Ouais. Franchement, ouais. Ouais. C'est pas scandaleux s'il le donne. Ah, je suis penalty. Donc, ça peut se jouer à ça, hein, aussi la qualification, ouais, ou pas pour les play-downs. En attendant, bon match d'OHL et Eupen aussi. 6 défaites d'affilée sans marquer le moindre but. Et puis, évidemment, il faut toujours compter sur un bon vieux Phoenix dans ces cas-là. Renaud Aymon, deuxième but depuis qu'il est arrivé à Eupen. 2 victoires, 1-0. 6 points. Donc, ouais, ou 4 si on se dit que c'était 0-0. Ouais, c'est fait 2 victoires. Ouais, effectivement. Un petit peu d'aide de Suzuki. Mais évidemment, Suzuki aurait pu perdre un point dans le classement, mais vous avez ciblé Leysen, j'ai bien compris. Suzuki, là, il offre vraiment. Et c'est pas la première fois ces derniers temps aussi. Hein. Mais Renaud Aymon, ben voilà un joueur qui peut vous faire sauver une équipe. Ouais. Hein. Dans le bas de tableau-là, on sait qu'il y a des équipes qui cherchent des attaquants. Pas toujours. Il était dispo, hein, pour tout le monde en janvier. C'est Eupen qui a flairé le bon coup, peut-être. Bah, probablement. Et ça va peut-être. Ça va peut-être les sauver. Bah, Renaud, on connaissait ses qualités, ouais, on connaissait ses défauts, mais ce genre d'occasion, 8 fois sur 10, il les met au fond. Il faut toujours un buteur. Franchement, mais c'est vrai, il faut toujours regarder, demander à... Un buteur, un bon gardien, vous êtes sauvé. Ouais. C'est ce qu'on dit généralement. Je sais que ça, vous n'avez pas aimé ça, mais j'ai connu Georges Lesquens, tout le monde l'a connu, et il disait toujours, Nordine, deux grands stoppeurs, un bon attaquant, et t'es bien. J'ai pas aimé ça. Non, mais bon. C'est vrai, il disait toujours ça. Deux grands stoppeurs et un attaquant. Ouais, et un gardien, ça peut servir aussi. Bah, il a fait 90% du travail aussi. Toujours. Lancelot, 90% des réactions chez vous. Ah ouais, bah on va prendre un petit cours de bruxellois avec Nordine qui parlait d'inquiète. Alors Jean-Luc Van Der Veen nous disait, si Bruno Irles est inquiète, John Textor, lui, c'est vraiment un ziverer. Nordine, tu nous expliques ? Ouais, merci, hein. Vous nous appelez quand vous voulez avec ce genre de message, on est preneur. On parlait de buteur, Charleroi, bah, ça reste, on ne va pas le répéter, on le dit chaque semaine, les problèmes à la conclusion pour le Sporting de Charleroi. Après, il y a le côté pas de bol aussi, hein, la barre pour il la méritera sur ce coup franc, et puis le pénalty arrêté par Warleson. Ça, c'est pas vraiment un manque de bol. C'est plus là, oui, là, non. Oui. Oui, non, mais sur le penalty, c'est pas vraiment un manque de bol. C'est quand même, c'est le stress. Hein. Ça, c'est aussi toute la situation de Charleroi qui est. Mesdames, messieurs. L'heure est grave. L'heure est grave. Manuel Jousse vient de nous rejoindre. Non, pardon, ce n'est pas Manuel Jousse. C'est le vainqueur de la bagarre de cette 29e journée de championnat qui nous a rejoint. Salut Manu, alors. Victoire difficile qui s'est jouée aux prolongations puisque c'est Benjamin qui a dû départager. J'espérais une victoire un peu plus large, mais l'important c'est les 3 points. L'important c'est les 3 points, et moi si j'avais pu voter sincèrement, et ici dans les commentaires on aurait aussi voté pour toi, mon cher Manu. Alors, parce que Castromontes c'est plutôt pas mal. Je le dirais à Nordine qui a la défaite un peu mauvaise. Non, ce serait bien la première fois. C'est exact.
Bon, on est en train de parler de la lutte pour les play-downs, alors je vais te demander l'exercice que je pose en même temps à nos internautes. Quelles seront les quatre équipes en play-down? Bon, il y en a qui sont déjà assurés d'y être, évidemment. C'est le cas de Courtrai, de Molenbeek et de Penn. Mais il y a encore une petite possibilité que ce soit Westerlo, Charleroi ou OHL. Est-ce qu'OHL va le faire? Est-ce qu'OHL peut le faire, se sauver? Dans l'absolu, oui, mais le problème pour OHL, c'est quand même de terminer contre Malines, qui fait une série exceptionnelle et qui maintenant se retrouve depuis 2-3 semaines postulant au play-off et donc ne va pas se déplacer là pour faire de la figuration. Ils ont de vraies ambitions, donc je pense que ça risque d'être compliqué quand même pour OHL. Et j'ai l'impression que les quatre derniers actuels seront les quatre des play-down. Donc avec OHL qui serait en play-down, et alors on aurait Westerlo et Charleroi qui en termineraient. Ouais. Dans ces Euro Playoffs avec le Standard bien sûr qui est sauvé. On va en parler un petit peu plus tard du Standard, mais je sais que vous êtes beaucoup à la maison à être supporter des Rouges, et donc si vous avez regardé le match de ce week-end, peut-être que vous pouvez déjà m'envoyer vos réflexions par rapport à ce qui s'est passé sur la pelouse, notamment en première mi-temps. Alors si vous avez des commentaires sur le Standard, vous les postez maintenant. Et en attendant ça, on va quand même commenter et parler de ce qui s'est passé à Charleroi avec un point pris contre le cercle et des petites phases d'arbitrage très spéciales, notamment celle-ci où on a gardé la carte rouge pour Popovic. Est-ce qu'il fallait le faire ? Pas sûr, honnêtement, quand on voit ça. Donc c'est vrai que ça n'a pas été un match très, très spectaculaire. Charleroi prend un point, ne marque pas. Ce qu'on retient le plus, c'est des phases d'arbitrage, effectivement. Donc voilà. Mais à ce stade-ci de la saison et avec des équipes malades, c'est un peu souvent le même débat. Mais ici, je suis sceptique, effectivement, sur la phase que vous montrez. Assez bien sceptique aussi. Alors Brandon nous demande, comment trouvez-vous le gardien du Cercle de Bruges en règle générale? Est-ce qu'il peut être sélectionné pour une équipe nationale? Enfin oui, il peut, mais c'est-à-dire qu'au niveau du Brésil, il y a déjà du monde. Il y a quand même un embouteillage. Ouais. Mais c'est un bon gardien. Alors, moi, pour être tout à fait honnête, j'avais même voté, je lui avais donné un petit point, un soulier d'or en janvier dernier, parce que je le trouvais vraiment super bon. Il est régulièrement dans le gardien de notre 11 de la semaine à la rédaction, parce qu'il est assez régulier, franchement. Il gagne assez bien de points. Bon, on revoit encore des images de Charleroi ici, avec finalement ce pénalty qui est sifflé, qui n'a pas été transformé par Ilema Aritra, avec. Warleson qui l'a justement arrêté. Pour Charleroi, ça risque de s'en sortir, mais disons qu'après, il y a encore 10 matchs à jouer en Euro Playoff. Avec quelle ambition il faut y aller dans le chef du Standard et de Charleroi s'ils y sont? Moi, je crains un petit peu que la saison ne soit longue, très longue pour le Standard et Charleroi, parce qu'ils ont vraiment cravaché ces dernières semaines pour échapper au play-down. Et le Standard a réussi à le faire. Charleroi, à mon avis, va réussir aussi. Maintenant, je ne pense pas qu'ils vont arriver conquérants dans ces Europe play-offs pour aller décrocher le ticket pour le barrage. Par rapport au déçu des play-offs 1, on verra si ce sera la Gantoise, Malines, le Cercle ou quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression que, à part les discours qu'on va nous tenir, que ces play-offs servent à préparer la saison prochaine, je crains qu'on ne voit pas grand-chose de très intéressant. Oui, mais avec le problème, notamment pour le Standard, préparer la saison prochaine, oui, mais avec quel joueur? Parce qu'on sait que pour l'instant, c'est un peu un hall de gare là, à Liège. Il y a beaucoup de joueurs qui vont repartir dans la galaxie 777 Partners. Finalement, jouer avec quoi, pourquoi? Oui, et de ce point de vue-là, je trouve dommage, parce qu'on pourrait se dire, lancer des jeunes. Dommage que le SL16 soit quasiment condamné à la relégation et donc à quitter l'échelon professionnel, la Challenger Pro League, pour se retrouver dans la Nationale 1 qui va évoluer l'an prochain. On ne va pas rentrer dans le débat, mais on va retrouver deux séries un petit peu francophones, néerlandophones. Dommage, parce que c'est même le club qui trouverait intéressant que le SL16 descende pour la question financière, parce que ça coûte trop cher. Je trouve que c'est une vision dictée par le financier, oui, mais très court terme, parce qu'on a quand même des joueurs comme N'Goy, Nubi, Sabo, etc., qui ont pu devenir ce qu'ils sont par les matchs qu'ils ont joués à l'échelon professionnel. Alors, ces joueurs-là qui vont développer des qualités, prendre de la valeur, pourront rapporter, mais plus tard, alors que si le SL16 descend, ce sera moins le cas. Donc voilà, là je m'interroge, et tout ça pour revenir à la question initiale, c'est comment du coup préparer la saison prochaine, sachant, comme vous le dites, qu'il y a l'aspect hall de gare. On ne sait jamais dans le mercato qui va arriver, souvent c'est à la dernière minute, et que les jeunes, quels jeunes sortir pour l'instant?
C'est un peu ça le problème, et c'est le nerf de la guerre en football, et surtout dans le football belge. Les joueurs, ce sont les meilleurs actifs financiers d'un club, et donc si on s'en sépare, et si les joueurs du CRU, finalement, on ne leur donne plus la possibilité d'éclore, je suis complètement d'accord, ça va être plus compliqué pour le Standard, mais ça, je pense, mes chers supporters liégeois, que ça n'est pas nouveau et que vous le savez déjà. Il n'y a plus grand monde qui peut rapporter vraiment beaucoup au Standard, en termes de... Il y a un moment, on pouvait dire Balikwisha, mais il ne joue presque plus, donc Ngoy, mais il s'est blessé. Et ça commence à faire longtemps qu'il est blessé. Sinon, c'est vrai qu'il aurait pu partir. Bodard, super gardien, super saison de sa part, parce qu'il est, il est fort, mis à contribution. Est-ce qu'un club va mettre des millions d'euros pour l'avoir? Je ne suis pas convaincu non plus. Pas l'impression, non. Donc, ça va être compliqué. On va sans doute devoir à nouveau faire appel au denier de 777. Ce qu'il en reste. On va doucement arriver maintenant sur le chapitre du haut du tableau. Donc si vous avez encore des questions à poser sur le Standard, vous y allez. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, notamment sur Anderlecht. Mais on va d'abord passer de manière, disons, chronologique et parler du Standard. Ah, Frédéric Di Marco nous dit « Dragus, 11 buts cette saison à une valeur marchande ». Il ne joue plus au Standard, mais il va revenir. Oui, bah, oui, c'est un joueur qui vient, qui repart, qui revient, voilà. Qui repart. Et c'est un mouvement sans fin. C'est un petit peu dommage. Oui. Alors, Jean-Yves nous parle de Besnik Azib, parce qu'on parlait de Malines qui va jouer contre OHL. Malines, meilleure équipe belge en 2024, avec un Besnik Azib. Forcément, vous avez beaucoup et souvent commenté ses prestations, hein, Besnik Azib, puisque vous avez beaucoup suivi Anderlecht. Champion notamment avec Anderlecht, dans une situation un peu similaire. Ouais. Et finalement, il est en train de refaire le coup de « je reprends une équipe et je change l'état d'esprit ». Ça me rappelle vraiment ça, parce qu'il était arrivé, je pense, si je me souviens bien, que c'était en remplacement de John Van Den Brom, juste avant les playoffs, et qu'effectivement, il avait réussi à apporter sa fameuse rage de vaincre et tout ce qu'on connaît chez Besnik Azib dans un très court laps de temps dans les playoffs, et il avait remporté le titre. Sur la durée, on voit que ça devient parfois plus compliqué pour lui, et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment un club où il a réussi à faire l'unanimité autour de lui après cela. Donc il est en train de refaire un peu la même chose avec Malines. Si Malines accroche les playoffs, super, bravo, et ce serait vraiment génial pour eux. Est-ce que ça voudrait dire que Malines va casser la baraque l'an prochain? Pas sûr pour autant. Non, c'est clair. Pourtant, il y a vraiment des beaux joueurs à Malines, notamment avec Slimani, le retour de Norman Bassett ici maintenant. Ouais. C'est clair qu'il y a du très, très, très beau monde. Alors, Ryan nous demande, d'après vous, le Standard jouera l'Europe via les Europe Playoffs? Enfin, j'ai plutôt envie, pas envie, mais... Je n'y crois pas, vraiment. Voilà, je pense qu'il y aura des équipes qui arriveront déçues, peut-être la Gantoise qui arrivera déçue, une équipe comme le Cercle qui arrivera déçue, et puis d'autres équipes qui ont été plutôt pas trop mal, les équipes comme Saint-Tron, qu'il va falloir aller battre aussi. Pourquoi pas ces équipes-là, mais bon, c'est clair qu'il faudra veiller à ne pas perdre de matchs trop vite au Standard et à Charleroi, sinon la fin de saison va être très longue. Vous en avez parlé. Louis Demoulin qui nous dit « Bodard mériterait d'aller autre part parce qu'il mérite mieux que ce Standard-là ouais. ». Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Oui, et je sais qu'au Standard, en interne, il agace un petit peu dans la mesure où il tient souvent des discours qui sont considérés comme un peu trop négatifs. Moi, je trouve qu'il tient des discours qui sont souvent réalistes et empreints de bon sens. Mais donc, voilà, on sent que lui a un petit peu fait le tour de la question, et peut-être que s'il a une opportunité d'ailleurs, pourquoi pas. C'est vrai qu'il a beaucoup de lassitude par rapport à ce qui se passe ici. Alors, Luc Bréban nous dit « J'ai plus de 20 ans d'abonnement au Standard et je ne prendrai pas l'abonnement pour les playoffs 2 pour manifester pacifiquement contre 777. Si vous êtes dans le même cas ou si vous n'êtes pas d'accord avec Luc, dites-le nous, mais je trouve que ça en dit long. Ça en dit long sur la lassitude qu'il y a par rapport à cette situation. Bon, alors les Europe Playoffs, c'est clairement moins entraînant que les Champions Playoffs, mais de là à dire, bon, c'est 20 ans que j'y suis, mais là j'en peux plus, c'est quand même criant. Mais c'est vrai que d'autant plus qu'il y avait beaucoup d'espoir quand 777 est arrivé, il y avait beaucoup d'ambition proclamée sur le papier, les supporters légitimement espéraient qu'il y ait beaucoup d'investissement aussi dans le capital joueur. Ça n'a pas du tout été le cas, et avec le temps, on commence un petit peu à comprendre pourquoi, puisque tous
les clubs que détient 777 ou bien dans lesquels il a une participation ben, sont des clubs qui sont en difficulté. La problématique du rachat d'Everton qui ne se fait toujours pas. Donc on promet monts et merveilles et finalement on fait des mercatos un petit peu paniques de dernière minute avec entre guillemets ce qui reste. Même s'il y a parfois de bonnes trouvailles, et c'est arrivé cette année-ci aussi, hein, même avec des Kawabe, des Price et des O'Neill. Individuellement, il y a des choses positives là-dedans. Mais ça manque de vision à long terme et c'est vraiment avec des bouts de ficelle, hein, financièrement parlant. C'est clair. Je vois le sous-titre ici, Anderlecht, dans la position du chasseur. On a vu les images du match face au RODM, où il n'y a pas vraiment eu match, d'ailleurs vous l'avez commenté. Bon, c'était très très vite plié. Moi je vais poser une question à nos internautes. Anderlecht champion ou pas ? Anderlecht ou l'Union ? Vous posez aux internautes ou ouais, Je vais la poser aux internautes. Ah. Si vous avez besoin de fomenter une petite réponse, je vais vous laisser. Ce qu'il y a, c'est que on parle toujours du gouffre d'avance de l'Union, mais c'est surtout sur Bruges, c'est pas tellement sur Anderlecht. Il y avait 8 points, maintenant il y en a 6. On verra le week-end prochain. Déjà, 6 divisé par 2, 3, c'est rien du tout, alors qu'on repasse à des play-offs à 10. Donc, deux doubles confrontations. Play-off à 10 matchs. Hein. Oui, play-off à 10 matchs, 6 équipes de 10 matchs. Deux affrontements directs, Union-Anderlecht, le rapport de force peut être inversé. Donc certains disent Anderlecht ne joue pas assez bien pour l'instant pour être champion. Ça ne veut pas tout dire. Souvenez-vous, 2016-2017 avec Weiler. Je crois que si l'Union ne s'écroule pas, elle mérite d'être championne cette saison. Mais enfin, le mérite, on sait que ça ne veut rien dire non plus. Donc, franchement, c'est quasiment pour moi du pile ou face. Ce sera un des deux probablement, parce que la remontada de l'Antwerp, je crois pas trop et de Bruges encore moins. Mais dire l'un ou l'autre, je dis pour varier un petit peu les plaisirs, et parce que ça fait 2 ans qu'ils sont juste derrière, ce serait sympa que l'Union décroche les lauriers. Mais si c'est Anderlecht, ils ne l'auraient pas volé. J'avais aussi perdu 2 fois Anderlecht cette saison. Oui, c'est ça, 2 fois seulement. Et j'avais vu avant le match à Molenbeek justement une stat qui disait qu'au même stade de la saison, donc après 28 journées l'an dernier, Anderlecht fait 24 points de plus. C'est absolument gigantesque. Et pourtant l'Union aussi fait plus de points plus, que ouais. l'année passée ouais. et que l'année d'avant. Ça veut dire qu'il y a vraiment deux équipes. Ne perdre que 2 fois sur la saison, c'est énorme. Voilà. Je pense qu'Anderlecht, c'est fin octobre qu'ils ont perdu pour la dernière fois. Ouais, c'était au standard. Et l'Union, c'était en septembre-octobre à Malines 4-0 et contre Genk 0-2. Ouais. Donc, ça fait quand même très très loin. Ces deux équipes-là méritent d'aller au bout. L'éditeur de l'émission, dont je tairai le nom, m'a dit, selon moi, ce sera l'Union vainqueur de la Coupe, Anderlecht champion. Voilà, il peut y avoir un partage comme ça, parce que dans l'autre sens, c'est pas possible, évidemment, parce que la finale, c'est Union Bruges. Mais c'est vrai que le sous-titre, la position du chasseur, tout le monde vous dira qu'elle est quand même toujours plus confortable, sauf si c'est un chasseur qui est 3 forêts plus loin, bien entendu. Mais enfin, s'il n'y a que 2 petits sentiers à remonter, dans un sprint final, dans une course cycliste, il vaut mieux être derrière le coureur qui entame la dernière ligne droite en tête aussi. Donc, Anderlecht n'est pas mal mis du tout. L'Union mérite d'être champion, mais il n'a peut-être pas un banc aussi fort que celui d'Anderlecht. Et Jean-Louis, je suis assez d'accord, notamment en défense, hein, où l'Union maintenant n'a plus que 4 défenseurs pour 3 titulaires, ça fait peu. C'était un choix assumé de la direction de ne pas faire de transfert en défense pendant ce mercato. Un choix un peu risqué, puisqu'effectivement, avec 3 défenseurs centraux, on s'expose vite à des problèmes avec l'ASN qui est out jusqu'à la fin de la saison. Machida qui a été pas mal absent avec la Coupe d'Asie. McAllister. Qui est blessé, Sykes un peu limite, Burgess il a des suspensions à gérer, donc vraiment là c'est très très short de ce côté-là. Et je suis d'accord aussi, c'est pas le meilleur banc si on compare à Anderlecht ou même à Bruges, même si ça ne se voit pas tellement à Bruges pour l'instant, mais les noms sont là. Le banc de l'Union fait un petit peu plus pâle figure, on va dire. Ouais, même si c'est vrai qu'à un moment on a loué le fait qu'un gars comme Ayensa qui a 8-9 buts est sur le banc, Rodriguez faisait la différence, peut-être plutôt derrière que ça va se jouer, parce qu'au milieu de terrain et devant ils ont des solutions, mais derrière, si Burgess se claque, et c'est la dernière chose qu'on lui souhaite,
ça va être compliqué pour toute la fin de la saison. Ouais, il faudra refaire descendre des médians, alors, hein, des Sadiki ou des Castromontes à des postes qui ne sont pas les leurs. Ouais, Samy qui nous dit, connaissant la malédiction de l'Union en Pro League, je vois Anderlecht champion. Est-ce que c'est quelque chose qui peut jouer, le fait de se dire, allez, on est passé à côté les deux dernières saisons et donc on va encore... Enfin, est-ce que ça trotte au-dessus de leur tête? Ben, je ne sais pas, parce que ça peut trotter au-dessus de la tête de ceux qui ont vécu ces traumatismes-là, mais ils ne sont pas si nombreux hein, par rapport à la saison dernière. Donc, et les joueurs en question sont justement les joueurs d'expérience, hein, les Maurice, les Burgess, c'est des gens comme ça. Donc c'est ceux qui peuvent peut-être plus facilement prendre du recul et de la distance et tirer les leçons de ce qui s'est passé. Donc je ne crois pas qu'il va y avoir un traumatisme collectif par rapport à 8 dixièmes d'une équipe qui n'était pas présente. Il faudrait au moins un trophée pour l'Union, sinon il restera le pouli d'or du football belge. Il doit renouer avec sa belle histoire 110 ans après. C'était il y a 110 ans, effectivement, la dernière finale de Coupe de Belgique pour l'Union Saint-Gilloise. Alors Christelle nous dit, à l'Union reviendra la Croquis Cup, la Coupe de Belgique, pardon, et le RSCA sera champion, même si je suis lyoniste. Voilà, donc un petit partage de cousins bruxellois. Il faut préciser aussi, mais c'était avec le cas avec l'Antwerp l'an dernier, avec cette finale de Coupe qui arrive. Plus ou moins à la moitié des playoffs, ouais, le je 9 pense. Mai. Le 9 ouais, mai. Donc on sera un peu plus avancé alors dans les playoffs quand même cette fois-ci. Ouais. Plus ça tout à fait. Après 5 c'est entre la 5e et la 6e journée, c'est possible. Ouais, voilà. Mais il y a toujours deux cas de figure possibles. Vous gagnez la coupe. Alors soit vous êtes affamé, vous voulez tout écraser sur votre passage comme l'Antwerp l'an dernier et ça vous donne des ailes. Soit inconsciemment vous vous dites bah ça va, on a déjà notre trophée et il y a un petit relâchement qui s'installe. Ça il faudra voir. Frédéric nous dit, avec le niveau de Thorgan Hazard, je crains que l'Union passe encore à côté du titre. Est-ce que c'est le meilleur joueur d'Anderlecht pour le moment, Thorgan? Ça fait quelques semaines qu'il marche sur l'eau, là, véritablement. Il se balade au propre comme au figuré parce qu'il va où il veut sur le terrain, dans un championnat qui a l'air d'être vraiment trop facile pour lui. Maintenant, c'est une équipe aussi. Vous voyez la saison de Dreyer. On ne reconnaît pas le Dreyer de l'an dernier, dont on se demandait un peu pourquoi ils étaient allés le chercher. Donc il y a quand même plusieurs gars qui sont pour l'instant très importants à Anderlecht. Ouais. Et cet entrejeu aussi, hein, vous parlez de celui de l'Union, c'était du 100% d'RP d'Amolenbeek avec Struikens, Verskaren, Leoni. Là aussi, il y a du choix quand vous voyez que Ritz, Delany sont sur le banc. Il y a quand même des rotations possibles et intéressantes en termes de qualité. Là, c'est justement, il y avait de la rotation ici. Personnellement, je n'ai pas l'impression que c'est ce trio-là qui va commencer les play-offs. Non, je pense pas. Non. Quand même plutôt du Delaney, Ritz. Verskaren sera là parce qu'il commence toujours quand il est là. Donc ça, c'est sûr. Ça veut dire que Struikens et Leoni sont les deux premiers sacrifiés? Peut-être bien. Ouais, possible. En tout cas, Delaney, il va jouer. C'est... Et Ritz probablement aussi pour le moment, parce qu'il a tout joué jusqu'ici. Ouais, Il a toujours tout joué. Ouais. À ce moment-là, je pense que Struikens et Leoni, effectivement, ça va être plus dur. Ludo qui nous dit, si l'Union gagne la Coupe, elle sera championne, sinon ça va être trop stressant. Ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait un peu juste avant. Ça peut libérer. Ça peut libérer, voilà. Louis qui nous demande, que pensez-vous honnêtement des play-offs? Trouvez-vous cela juste? Débat qu'on a chaque année à l'approche des play-offs. La notion de justice est évidemment très abstraite. Moi, personnellement, j'ai toujours été un partisan des playoffs sans la division des points. Ouais, bah pareil. Les playoffs en soi, c'est juste, mais diviser des points par deux, ça ne l'est pas du tout. Voilà. Et tout le monde est assez unanime là-dessus depuis le début, et pourtant le règlement existe toujours. Alors je ne sais pas si vous avez vu cette interview de Bob Madou, donc le patron, nouveau patron du club de Bruges, qui est quand même le club le plus puissant de Belgique, qui a dit les années où ça nous a profité, tout comme les années où ça ne nous a pas profité, on a toujours été contre et on restera contre et on plaidera toujours contre la division des points. Donc pour les playoffs, mais contre la division des points. Donc à partir de ce moment-là, si tout le monde est d'accord, parce que j'ai l'impression que dans les clubs, tout le monde le dit. À Anderlecht, historiquement aussi, Roger Vandenstock disait déjà ça dès le début. Les playoffs, c'est bien, mais pourquoi diviser par deux? Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte de... Voilà, c'est parce que parfois on a l'impression qu'on parle beaucoup et on pérore énormément autour des matchs qui finalement ne valent pas grand-chose. Ouais. Parce que ici, l'Antwerp contre l'Union, ça vaudra un point et demi au final. Finalement, ce qu'on voit qui est plutôt sympa, c'est ce qui se passe dans les play-downs où il n'y a pas de division des points et que la victoire de Penn par exemple contre Saint-Tron ici, elle est ultra importante, elle ne vaut pas un point et demi et donc ça rajoute quand même plus de... Bon, je pense qu'on est d'accord. Mais là déjà, on a tout eu, au moins les play-offs 1, on a toujours divisé par 2, alors parfois c'était 4 équipes, parfois 6, mais au moins c'était clair. Par contre, le nombre de règles différentes qu'on a déjà eu pour les ex-play-offs 2 et ex-play-offs 3,
au départ, il y avait deux équipes en play-off 3 qui se rencontraient à peu près 15 fois, enfin j'exagère. Et puis on a eu toutes les formules possibles. Hein, donc, ouais, mais play-off 2, on avait aussi des équipes de division 2 qui division 2 qui participaient, donc on a tout eu. Mais bon, cette formule-ci n'est pas la pire, je trouve, pour les play-downs. Jean-Luc qui nous dit « Toujours été contre les play-offs pour un championnat à l'ancienne. Je suis pour un championnat à l'ancienne, d'études 18 clubs de descendants. Bon, » moi, ça peut être 16 clubs de descendants et ça me va très bien. Mais non, play-off, ça rajoute quelque chose. On ne marche arrière et puis oui, voilà. Ça rajoute quelque chose. Dans les contrats des droits télé, ça fait plus d'affiches. Cette marche arrière-là, on ne la fera pas, mais des adaptations, il faudra quand même y penser. Alors, Pascal nous dit « J'espère que l'arbitrage sera juste en play-off. » Et y a une petite nouveauté ici. Ils vont essayer, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était dans la presse néerlandophone que j'ai lu ça, il me semble, Utlats News, qui disait qu'ils allaient avoir des binômes très très clairs pendant les playoffs. Donc ce sera toujours le même arbitre avec le même arbitre VAR pour qu'il y ait une vraie connexion entre les deux personnes et essayer d'avoir une relation de confiance qui s'installe entre l'arbitre et l'arbitre du VAR. Parce qu'on sait que parfois c'est un peu ça qui cause des soucis, c'est que l'arbitre du VAR a envie de se substituer à l'arbitre du terrain. Ça peut fonctionner si ce sont effectivement des binômes complémentaires et avec des interversions aussi. Une fois c'est un qui est arbitre de champ, l'autre dans le VAR, le coup d'après c'est l'inverse, pour qu'il n'y ait pas justement cette concurrence malsaine et qu'il joue vraiment le jeu. Et c'est un petit peu dommage finalement que ce qui est une amélioration technique au niveau du football et de l'arbitrage devient un petit peu pénalisante par des jeux de concurrence qui sont humains mais qui sont dommageables. Alors je vois qu'on nous a posé plusieurs fois la question pendant le live, est-ce que c'est vrai qu'Ayn Van Azenbroek va aller à Bruges? Alors, je ne sais pas d'où ça sort. En week-end peut-être. Je ne sais pas. Oui, pourquoi pas, pour la visite du béguinage. Ah oui, c'est très beau. Mais honnêtement, il y a peu de transferts d'entraîneurs qui me surprendraient plus que celui-là. Ouais. Oui, effectivement, et de toute façon, c'est très difficile d'imaginer pour l'instant ce qu'il y a dans l'esprit des dirigeants de Bruges, parce qu'on est vraiment dans une période de transition et de passation de pouvoir avec Vincent Manhart qui a fait la pluie et le beau temps là-bas et qui a toujours son titre et son bureau, mais qui est en fin de parcours, il ne fait même plus les déplacements européens, et donc c'est la question qu'on se posait s'il devait licencier Deyla maintenant, mais je ne suis pas certain non plus qu'ils iraient pour la saison prochaine chercher un profil comme Van Azenbroek, mais bon, en même temps, grand chose qui nous surprendrait dans le foot non plus, mais a priori, c'est peut-être pas vers lui qu'ils iraient. Plutôt pas, et j'ai l'impression que Ayn Van Azenbroek n'a pas que des amis à Bruges non plus, vu qu'il a quand même été entraîneur de deux concurrents principaux du club. Gemini qui nous demande encore la Beneligue, oui ou non? C'est vrai qu'on n'en a plus parlé de cette chimère-là récemment. Oui, et ça fait du bien qu'on n'en parle plus trop d'ailleurs. Ouais, Parce que moi, je vous verrais bien le samedi soir aller commenter Groningen-Charleroi. Et ce qui est marrant, c'est que c'est toujours cet exemple-là qu'on prend. Hein. C'est... Le club Frison, c'est le plus loin de, loin de chez nous. Ou Heerenveen. Pourquoi Charleroi? Non, je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est... Non, Beneligue, de toute façon, depuis le début, ça intéresse plus les clubs belges, certains clubs belges, que les clubs hollandais qui ne sont pas du tout demandeurs. Hein, donc le débat est quasi clos. Bon, on nous dit que c'est dans la presse pour Ayn Van Azenbroek cité à Bruges. On cite beaucoup de choses dans la presse. On cite beaucoup de choses et on cite notamment Francky Dury comme directeur technique du club de Bruges aussi pour la saison prochaine. Ouais. Bah oui, il faut amener un peu des idées neuves et renouveler les cadres et... Un peu de jeunesse, ça fait du bien. Voilà. allez, on va écouter juste deux minutes ce qui se dit sur Malines. Malines peut-il être la surprise de ces play-offs 1? On va aller écouter ce qui se dit sur le plateau et puis on revient et on en discute. Qui devrait avoir 7, 8, 9, voire 10 points en plus. Donc voilà, chapeau à cette équipe de Malines. Ils ont des très bons joueurs. Il faut être honnête de dire que Dufour n'a pas suggéré ça. Azi a vraiment, c'est un entraîneur d'expérience. Il a structuré. Il a structuré et il a refait jouer. Il a libéré des joueurs comme Ehrenmans qui sont quand même des super joueurs. On n'en parle pas beaucoup de lui, mais quand je suis attaquant, j'aurais bien voulu jouer avec un gars comme ça qui s'est donné des bons ballons, qui sait vous trouver facilement. Et puis, on le sait, il y a toujours des bons joueurs. Mais c'est vrai que Dufour, je suis désolé de le dire, parce que moi j'aime bien quand parfois les anciens joueurs deviennent entraîneurs, mais là, il a mal géré. Oui, et le maillot de Malines redevient à la mode, hein, comme à la grande époque de Philippe Albert. Regardez cette image magnifique d'un jeune supporter qui espère un maillot. Et puis, regardez, c'est la fête
avec, bah, j'imagine, maman derrière. Ah oui. Parce qu'attention, il y a des filous hein, maintenant avec les pancartes. Il y en a qui viennent prendre des maillots et puis qui les revendent immédiatement derrière. Là, on sent qu'il va le garder et il va l'afficher en poster dans sa chambre. Hein, ouais, et après, il faut dire aussi la vérité au public. Parfois, les clubs sont des filous aussi parce que les joueurs, ils doivent payer les maillots qu'ils vous donnent aussi. Ouais. Non, mais il faut se rendre compte de la chance qu'on a parce que les joueurs, parfois, ils se font facturer leur maillot à la fin du mois sur la fiche de paye. Bah oui, non, mais voilà, c'est un peu. Mais juste pour revenir sur Malines, finalement, on est aussi surpris de les voir potentiellement en Champions Playoff qu'on était surpris de les voir aussi bas en début de championnat. Et j'en profite puisque Nordine est à ma gauche et qu'on en revient toujours au buteur. Slimani, c'est comme un sacré joueur de foot. Ah oui. Non, mais ah ouais, c'est. Parce que dans l'investissement. Non, mais parce qu'avec les profils qu'il a derrière lui, qui vont prendre les espaces, c'est vraiment le joueur parfait pour cette équipe-là. Avec Bassett qui revient de blessure, ça peut faire mal et ça peut être complémentaire. En attendant, le Standard est sauvé. C'est l'information du week-end. Après un tel match, il y a quelque chose qui ne va pas entre ces deux phrases. Ils le disaient eux-mêmes. 0 sur 10, hein, Noubidi, on méritait 0 sur 10. L'écho dit c'était pas nous, c'était pas notre pressing. On sait plus quoi dire, en fait, parce que quand un entraîneur arrive à l'interview, il s'assied et puis dit On a foiré notre match, c'est pas ce qui était prévu. Mais alors quoi, en fait? Qui doit décider? Qui doit faire quoi? L'entraîneur, les joueurs? Que se passe-t-il? En fait, c'est pas possible d'être mauvais à ce point-là. Ouais, écoutez, je me suis dit, peut-être presque, on va enfin pouvoir arrêter de les regarder, hein, parce que seulement vraiment, on s'ennuie un peu. Je sais pas ce qui se passe, franchement, je sais pas ce qui se passe. Il y a aussi un manque de qualité, sans doute, à certaines positions. Mais il y a aussi, et c'était très juste, je ne sais pas qui commentait le match hier, on parlait de manque de personnalité. Et je trouve que c'est assez juste, surtout dans le milieu de terrain. Alzate, l'image d'Alzate. Alzate, hier, il n'en avait rien à cirer du match. Il a un talent, quand même, on l'a tous vu déjà. Mais oui, rien à cirer, pas envie d'être là. Ouais, enfin, pas très bien. Non, il n'y a pas de personnalité. Alzate, moi, je vais parler d'Alzate, qui est un super joueur. Mais justement, parce que les bons joueurs, c'est eux qui doivent lever l'équipe quand ça ne marche pas. Mais ils ne parlent pas. Il n'y a pas d'échange avec les autres, c'est pas un meneur. Et tu sens qu'il n'est pas bien. Et puis après, il y a aussi l'écho, on va parler aussi sûrement de Balikwisha. D'abord, Dzeneppo, la première mi-temps de Dzeneppo, parlait de joueurs qui ont du talent. Il a du talent. Et il y a 2-3 semaines, on s'est dit ah, ça va mieux pour Dzeneppo. Oui, et hop, 2 semaines plus tard, c'est un peu à l'image de la saison du Standard, Moussa Dzeneppo, il est passé complètement à travers aussi. Mais on lui demande de défendre sur un flanc contre Bonsouba et El Wadi, évidemment, qu'il ne va pas être à sa place. C'est ça, on a beaucoup parlé finalement de ce qui n'allait pas dans l'attitude offensive, parce que à part la toute fin de première mi-temps, ça a été le néo-offensif en première période. Mais pour moi, le Standard avait l'air, Benjamin, d'une équipe qui n'avait pas préparé le match défensivement contre Genk. C'est-à-dire que quand vous voyez que sur les 30 premières minutes, vous avez toujours dans le demi-espace El Khanous qui est tout seul, tout le temps, avec un joueur de ce talent-là, vous ne pouvez pas dire que vous êtes prêt pour ce match-là. Il se démarque bien. Il le fait très bien. Il se démarque très bien. On l'entend, il le fait très bien, il n'y a pas de problème. Mais tu le sais. Mais le Standard n'était pas bien, franchement. Mais moi, après, on peut parler des joueurs. On peut parler de la qualité des joueurs, on peut parler de ceci. Mais je vais encore le dire, je suis désolé, l'écho, il est arrivé au Standard parce que le Standard n'allait pas bien. Il fait que des constatations. On a tous fait les mêmes constatations qu'il fait. Bon, il doit apporter ce petit plus. Par exemple, un joueur comme Dzeneppo, on le dit tous ici, il a de la qualité, mais ça ne va pas. C'est le staff qui doit lui remettre, c'est lui, d'abord lui bien sûr, qui doit reprendre de la confiance, mais le staff doit l'aider. On ne le sent pas. Balikwisha, on en parlera. En parlez-en. Balikwisha qui est bien monté quand même. Il est monté, il n'y avait pas de créativité. Il a amené directement la créativité et comme par hasard, les autres ont commencé à jouer aussi. Avec Chanak aussi. Hein, oui, à un moment donné, il faut parler aussi des choix. Il y a les joueurs qui sont responsables, bien sûr. La direction, on en a beaucoup parlé. Après l'écho, qu'est-ce qu'il a apporté? Alors, je ne dirais pas le nom d'un consultant néerlandophone qui m'a dit « Ouais, mais tu sais, tout ce qui se passe là-bas, le staff, il devient fou, les joueurs sont bizarres. » Oui, bon, ça fait là aussi où il signe. Hein, oui, voilà, comme c'est ça. Donc, à un moment donné, on peut faire des constatations. L'écho, si tout se passait bien au Standard, il ne serait pas au Standard. Mmh. Oui, bonne conclusion. Non, mais c'est vrai. Effectivement, Malgré tout, il prend ses responsabilités quand même, parce que bon, à la mi-temps, il fait quand même 2 changements. Hein. Mmh. Donc, oui, il s'est trompé, mais... Voilà, il prend quand même... Il y a plusieurs matchs déjà. Le match ici en question, là, Genk a été en démonstration, et il est obligé de faire les 2 changements, parce que sinon ils en prennent un paquet. Mais à côté de ça, si c'est 1-1 à la mi-temps, le Standard s'en sort bien, quoi. Il y a un ballon sauvé sur la ligne par El Wadi, après une bourde de Van de Voort. Alors qu'ils ont été dominés... Après, on peut jouer avec deux attaquants. Ils ont été dominés
pendant toute la première période. Il joue à deux attaquants, mais il n'y a pas de... On va voir ça maintenant. Mais oui, ce qui avait marché la semaine avant, on n'a pas marché hier concernant les deux attaquants. Oui, c'était deux îles désertes, en fait. Mais non, mais il met deux attaquants, il aime bien, il veut jouer en verticalité, mais en super verticalité. C'est-à-dire que les milieux de terrain, je pense que c'est pour ça que Balikwisha ne commence pas. Les milieux de terrain ne jouent pas avec. Donc, il faut jouer devant. OK, il faut jouer devant, mais avec des bons défenseurs. Philippe a été défenseur. Quand tu vois la balle arriver de 40, 50, 60 mètres, c'est plus facile de gérer un attaquant que s'il y a une passe dans votre dos ou s'il y a un milieu de terrain comme Elkanous qui vient et qui donne des bons ballons. Donc, on fait semblant de vouloir jouer offensivement, mais on n'amène pas de possibilité pour jouer offensivement. Ils sont trop loin l'un de l'autre. Il n'y a pas de soutien, ouais. Et même derrière, KOB, il n'est pas souvent là. Sur les flancs, ça ne suit pas non plus. Ça fait beaucoup de problèmes quand même. Bah ouais. Non, mais juste pour revenir sur les changements à la mi-temps, c'est quand même, depuis qu'il est là, il faudrait regarder. J'ai pas regardé, mais ça fait quand même plusieurs fois qu'il le fait. Donc ça fait quand même beaucoup de fois où il se trompe. Enfin, je veux dire, OK, on peut le voir positivement, il réagit, mais ça veut dire qu'au niveau de la première mi-temps, c'est quand même catastrophe à chaque fois. On peut revoir le but hein, de Genk qui est amené par Elkanous et transformé par Haït Elhadj, son pote. Hein. Ouais. Une pensée aussi pour le jeune Oyen hein, qui s'est re-blessé au ligament croisé, qui sera de nouveau absent quelques mois. Bah, le malheur des uns, dit-on, fait parfois le bonheur des autres et Haït Elhadj aura l'occasion de se montrer un peu plus. Il l'a fait directement. C'est un super joueur, mais qui ne joue pas beaucoup. Ouais, je suis content pour lui, parce que c'est un joueur de qualité. Après, il ne joue pas beaucoup. OK, ça, c'est le choix du coach. Après, sur ce but-là, si on a fait une palette, les milieux de terrain du Standard, je ne sais pas où ils sont. Je veux dire, Donc, on a parlé de beaucoup de choses qui n'allaient pas au Standard. Hein, donc, Non, mais ça, on le sait. Qu'est-ce qui va bien, en fait? Voilà, c'est pour ça. Retournons le problème. Qu'est-ce qui fonctionne au Standard? Ils sont maintenus. Oui. Et le public, est fort patient. Hein. Non, mais le public, tout au long de la guerre, il n'y en a pas grand-chose à reprocher. Franchement, ils ont connu des moments particulièrement difficiles et ils ont très souvent soutenu. Et justement, je pense que ça réagit chez vous, Lancelot. Les supporters du Standard ne sont pas contents par rapport au déplacement du match à la veille qui a été annoncé assez tardivement. Pas du tout. Alors c'est vrai hein, que notamment à Genk, les supporters qui étaient présents sont restés très très calmes par rapport au match du Standard et étaient très contents, surtout soulagés je pense, de voir le Standard sauvé ou sur la route du sauvetage. Mais il y a un commentaire ici de Sclessin RSCL qui nous dit le Standard sauvé par la mini-porte, oui, et en plus ils se foutent royalement de nous les supporters pour le match qui devait avoir lieu le dimanche et qui sera finalement joué le samedi sans autre forme de procès, et tant pis pour ceux qui avaient arrangé leur week-end. Je propose de boycotter ce match. Alors on a eu d'autres commentaires aussi de la part d'internautes qui nous disaient qu'eux, ils n'allaient tout simplement pas aller dans les Euro Playoffs parce qu'ils avaient peur de ce qu'ils allaient y voir au vu des intentions du Standard et ce qui a été proposé hier contre Genk. Bon oui, c'est un peu la grogne. Oui, c'est normal. En attendant, libéré de cette pression du maintien ou de la lutte contre le maintien, est-ce qu'avec le noyau là, le Standard peut imaginer un parcours intéressant Je pense honnêtement... En écoutant un peu ce qui se passe au Standard avec les réactions de l'écho, je pense que ça va être catastrophique parce qu'il va taper dans tout pour préparer la saison prochaine. Donc je sais qu'il n'est pas content de beaucoup de joueurs. Comme Luis Enrique. Mais lui, il a quand même Mbappé. Mais voilà, et pas tous les jours. Hein, il le met sur le banc quelques fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, il va y avoir des petits règlements de compte dans les matchs qui vont arriver maintenant. On va voir que l'écho va changer certaines choses. L'écho, s'il reste, va vouloir nettoyer ce que lui pense ne pas être bon. Et donc, on va voir comment ça va réagir. Parce que n'oublions pas que la direction n'a pas beaucoup d'argent. Ouais, et parallèlement à ça, lancer des jeunes, voir les jeunes, en sachant que l'équipe 2 est dernière de Challenger Pro League et risque de descendre dans le niveau amateur du foot. Certains disent que c'est une bonne nouvelle parce que ça coûte cher. En attendant, à moyen long terme, c'est des jeunes joueurs qui vont s'exprimer plus difficilement au niveau, et perdre de la valeur, surtout au niveau professionnel. Comment est-ce qu'on peut dire ? Même au niveau financier, c'est vrai qu'à moyen long terme... Comment est-ce qu'on peut parler des jeunes en disant que ça coûte cher ? Parce qu'ils sont dans une vision à court terme pour l'instant. Oui, et c'est ça le gros problème du Standard. On va terminer avec tout ce qui a tapé dans l'œil sur les réseaux ces derniers jours dans un instant pour le temps additionnel de cette tribune. À tout de suite.
C'est déjà le temps additionnel. 22h12, on regarde sa montre. Quoi, ils ont oublié la moitié de l'émission ou quoi, Manu? Que se passe-t-il? Ouais, le temps additionnel à cette heure-ci, c'est pas normal. Normalement, c'est l'heure de jeu. Quoi. Ouais, il doit encore rester une bonne demi-heure. Là. Ils vont repasser par chez nous pour nous dire, et comme d'habitude, nous demander quel est le meilleur commentaire de la soirée. Je vous garde la surprise. Voilà, conclusion sur le Standard. Rendu quoi. Non, de ce que Nordine dit, ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on pressent aussi, hein, que cette fin de saison va être très longue, et s'il donne un gros coup de pied dans la fourmilière en plus, voilà. Mais je crois que le Standard, l'essentiel est fait maintenant, le maintien et les Europe Playoff, comme on dit, faudra sans doute enlever le mot Europe dedans et rebaptiser ça Playoff 2. Ouais. Johan nous dit la direction doit partir, c'est clair, laisser Harkin, Locked et mettre des personnes qui ont les moyens. Mon cher Johan, je pense pas que ça se fait comme ça d'un claquement de doigts. Ouais. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On attend un geste de la part de 777, la gratuité des playoffs 2. Vu l'état des comptes, mon cher François, ça va être compliqué quand même. Sinon, on peut regarder les matchs en différé, voilà, les résumés en différé dans Studio Foot, ça coûte moins cher. Hein. C'est le service public, c'est gratuit. Et vous économiserez peut-être aussi un petit peu de temps. Non, je charrie, bien sûr. Je sais que les supporters restent des supporters malgré tout. Mais là, on en rigole parce qu'on a envie d'être un peu du second degré sur ce sujet-là. Après ce qu'on a vu hier contre Genk. Oui, c'est triste parce que c'est vrai que si on retient les quelques points d'orgue de la saison, les victoires et à chaque fois dans des gros matchs, hein, Bruges, Anderlecht, Genk, Gand, ces quatre victoires-là à Sclessin sont quatre matchs où l'équipe a presté, où le public a vibré. Et voilà, on n'a pas vécu ça le reste de la saison. Et donc, on a l'impression que c'est une équipe qui est pas à sa place par rapport à ça, mais qu'il est totalement par rapport à ce qu'elle a montré dans les autres matchs. Donc, c'est un peu dommage. Très, très dommage. Vincent me parle dans l'oreillette en même temps que je m'adresse à vous, ce qui est toujours un peu compliqué. Faites l'exercice à la maison de parler quand on vous dit quelque chose en même temps. Enfin, cela dit, c'est le métier. On touche doucement à la fin de cette émission, et donc on va retrouver Antoine Hic pour les meilleures images du web. Un mot aussi pour dire que on n'a pas beaucoup parlé d'arbitrage cette semaine et que ça fait du bien. Ferenc nous dit ça, à part la phase évidemment de Popovic avec l'exclusion du joueur du cercle de Bruges, on n'a pas trop parlé. C'est vrai qu'il y a cette histoire avec Jan Vertonghen aussi qui a réclamé qu'on ne siffle pas pénalty. Ouais. Je serais curieux de voir s'il le dira partout à la 90e minute du match contre l'Union, décisif pour le titre. Mais c'est autre chose. En attendant, c'est tout à son honneur de le dire quand même à notre ami Jan Vertonghen. Alors, on parle aussi d'arbitrage, mais si vous voulez bien, on en parlera dans une prochaine émission. On nous demandait pourquoi pas amener des arbitres néerlandais pour les playoffs, pour plus d'impartialité. C'est quelque chose qu'on a déjà essayé, il me semble, par le passé, non? Oui, il y en a déjà eu. Un peu un Erasmus de l'arbitrage. Voilà. Quoi. Mais pour plus d'impartialité. Un peu surpris du mot utilisé, mais... Oui, on leur laisse la responsabilité, pour avoir un regard extérieur, enfin des arbitres. Oui. Parce qu'on a vu ce que ça donnait au niveau de l'arbitrage belge en amenant des Français, notamment pour superviser. Allez, allons écouter ce que Benja a à nous dire. L'avant-dernière de la phase classique et la tradition, on veut qu'on se redéplace chez Lancelot pour le message de la soirée. Oui, le message de la soirée, qui nous vient de Patrick Roberecht, qui manifestement a raté une partie de la saison, mais qui est supporter du Standard et qui nous dit bonsoir à tous. En analysant le classement de la Jupiler Pro League, je m'aperçois qu'en fait, le nombre de points du Standard a déjà été divisé par deux, apparemment. On lui explique. ça vient de le prendre comme ça, l'autodérision. Il n'y a que ça de vrai pour se remettre des mauvaises émotions. Et là, on termine avec l'œil du web. Antoine, ça va Antoine? Et nous, on va revenir chez nous une dernière fois. Manu, y a-t-il des thèmes que nous souhaitions aborder qui n'ont pas été? Je n'en sais rien parce que j'ai raté les premiers thèmes
du Facebook Live, donc j'ai l'impression que vous avez fait le tour. On a fait pas mal le tour, effectivement. Non, cela dit, on doit encore prendre un petit rendez-vous parce qu'on se retrouve ici même, peut-être même dans la même composition tactique. Sans doute. Jeudi. Oui. Jeudi, 10h du matin. 10h, oui. Ouais. Pour la sélection des Diables Rouges. Avec, vous me dites ça comme si je n'étais pas capable d'arriver au bon moment, mais 10h, c'est encore jouable. Non, 10h, ça le fera, effectivement. Bah, on a déjà débriefé pas mal entre nous. Cette future sélection de Domenico Tedesco avec d'éventuelles surprises à venir. Bon, vous, à part Castro Montes, qui est-ce que vous voyez arriver en étant avec votre regard de journaliste? Alors, pas vraiment des surprises, mais de retour de joueurs expérimentés. Je l'ai dit dans la bagarre en parlant de Thomas Meunier. Je pense qu'il a de bonnes chances d'être là maintenant qu'il rejoue. Par rapport à ce qu'il montre depuis pas mal de semaines, son passé en équipe nationale, je trouve que Thorgan Hazard aurait tout à fait sa place aussi. Donc voilà, je citerai ces deux-là. Et toute dernière chose pour ce live, quel est votre album préféré de Tintin? Oh, ça c'est compliqué parce que je suis un grand fan et j'en aime beaucoup. Je n'aurais pas en sortir un comme ça, franchement c'est un crève-cœur d'aller dire ça. Ah bon, je vais commencer, moi j'ai un petit fait pour les cigares du Pharaon. Ouais, moi j'aimais bien le Lotus Bleu avec toute l'ambiance chinoise qui allait autour. Mais tous ceux qui ont été en deux volumes étaient pas mal non plus. Hein, ouais. Le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge. Ou ouais, Temple du Soleil. Lune, on a marché sur la lune et les 7 boules de cristal. Ouais, c'est difficile d'aller. Bon, et ce maillot, oui, il fait parler, bien sûr. Moi, je trouve qu'il est quand même déjà beaucoup mieux que le Tomorrowland qu'on avait avant. Moi, je trouve qu'il est plutôt réussi aussi. Alors, Christian, qui était en régie ce soir, son album préféré de Tintin. Ah oui, il nous dit qu'il n'a plus lu ça depuis 45 ans. Vous pouvez lire jusqu'à 77 ans, Christian, vous savez. C'est de 7 à 77 ans, vous le savez. Allez, ben voilà, merci à tous d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission et de ce live. Merci à Christian, merci à vous pour vos questions, vos remarques et vos suggestions, vos blagues aussi, parce que manifestement, elles étaient drôles aujourd'hui. Merci Manu d'être passé. Merci. Et à jeudi au plus tard, n'oubliez pas, il y a de l'Europa League, enfin de la Conference League, même plutôt en ce qui nous concerne, jeudi soir aussi. Et puis à partir de la semaine prochaine, on se retrouvera bien sûr pour une dernière tribune avant de passer à un chapitre des Diables Rouges. L'étoile mystérieuse pour Jean-Yves qui nous suivait. Ouais, pas mal aussi, hein, l'étoile mystérieuse. Ouais, bah pourquoi pas, ouais. C'est l'île noire, c'est pas mal non plus. Noire, le crabe aux pinces d'or, excellent. On peut tous les citer. Salut, merci, bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao.